Trois nouveaux invités ont accepté de vivre ici pendant 24 heures, une parenthèse, loin de tout. Raconte-nous, Danièle, ça nous intéresse. La fantasque comédienne Danièle Evenou, dont le destin a été jalonné de rencontres avec des personnalités hors du commun. Vous savez bien faire le gratin de Oui. Mais vous l'avez fait à des gens aussi importants que Franck Provost Par exemple, le président de la République, François Mitterrand. Sans déconner. L'humoriste Kev Adams, le jeune surdoué qui s'était juré d'avoir du succès avant ses 21 ans. Je lui ai dit, tu vas voir que je vais parler de ma vie, d'aujourd'hui, de mes profs, de mes galères, de mes copines et de mes parents et que ça va quand même toucher les gens. Et le coiffeur Franck Provost qui a fait de son coup de ciseau un coup de maître. J'ai toujours pensé que tout pouvait m'arriver, je pouvais prendre mon peigne et mes ciseaux, partir au bout du monde et que finalement je referais l'histoire. Un échange entre deux générations. Bon, allez, je vais pêcher au Danièle. Mais ça existait, les préservatifs? Ah oui! Oh là là, ça ressemblait, ça sautait toujours au plafond. Et au fil des souvenirs, tantôt anecdotiques, tantôt indélébiles, c'est une réelle complicité qui a vu le jour. Je te kiffe grave. Preuve que l'amitié se moque de la différence d'âge. Alors nous, on a le droit de te dire qu'on t'aime? Bien sûr. Oui, il faut le dire, c'est vrai. Après, on regrette de ne pas avoir dit assez tôt. Dis-moi que tu m'aimes. Chut. Au fond, les plus belles rencontres sont celles qui sont inattendues. Mais pour le moment, une nouvelle journée commence et à cet instant précis, nos trois invités ignorent tout de ce qui les attend. Pour cette belle balade. Bien. Voilà, vous êtes arrivés. J'ai dû mettre des chaussures. Attends alors. J'ai rien oublié. Il y a quelqu'un. Alors. Bonjour. Il y a quelqu'un? Bonjour. Ne me dites pas qu'il n'y a personne. Je suis toute seule. Je marche avec mon sac. C'est bon, ça fait du bien. Comment vas-tu? Et toi? Ça tombe bien, j'ai cherché un coiffeur. Tu l'as? Regarde. Ouais. Tu viens voir Frédéric? Je viens voir Frédéric. Toi aussi? Toi aussi? Ouais. Tu pourras me faire une coupe entre deux goûters? Pas de problème. Je te fais ça tout à l'heure. J'ai tout là. C'est vrai? Ah, la tondeuse, c'est impeccable. Eh ben c'est cool, alors on y va, c'est parti. Puisque je suis à la campagne, autant en profiter. Hop. Alors ça, j'adore. C'est top. Magnifique. Ouais. Mais bon. Waouh. Cet endroit. Il manque un peu de soleil quand même. Mais non, c'est ça qui rajoute de la magie à l'endroit. Coucou! Vous m'avez entendu? Ouais, salut! Où? Salut! C'est qui? Salut! C'est une dame. Vous allez prendre la barque? On va prendre la barque, ouais. Bon, alors, si j'ai bien compris, t'as un problème à la main. Je me suis fait une petite entorse, mais je vais t'aider. Moi qui rame? T'inquiète pas, je vais t'aider. Oula! Oh, putain, oh, voilà. Elle est déjà partie. Pourvu que je connaisse la personne. Moi, j'ai fait de la barque au bois de Boulogne. Nous nous connaissons. Et en général... Je crois pas, non? En général... Bonjour. Ah, c'est pas les mecs que je promène. Mais bon... Ouais, tu tiens le bon bout, là. Par contre, je vois rien. Hein. Tu me dis si... Ouais, ouais, vas-y. Tout droit, là, tout droit. Je l'ai vexé, je la reconnais pas. Pas mes lunettes, sans lunettes, rien. Bonjour. Je vois rien. Ne tombez pas dans l'eau, hein. Non. C'est bon, là? Ouais, c'est bon, vas-y. Mais comment je vais faire? Tu l'attaches là, peut-être là. Vous êtes fait mal? Non, non, tout. Regarde. Ici même? Non, bah non, je suppose qu'il n'y a pas de pansement. Mais, merci d'être venu, j'étais toute seule. Il y avait un piège, non? La barque n'était pas... Bah, on avait oublié, elle était attachée. Voilà, Danièle Evenou. Enchanté, Kev. Enchanté. Bonjour, Kev. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Il s'appelle Franck. Bah oui. Vous venez d'arriver en... Ah non! Elle est partie. Attendez. C'est pas grave, c'est celle de Frédéric Lopez. Elle est là-bas, ouais, ouais. Attends, on peut la rattraper. Il y a pas... On lui dira qu'on a mis la barque en double fil et hop, voilà, ça passe. Je vous accueille. Ah oui. C'est magnifique. On a un temps de rêve. Ah, ça, c'est sûr, c'est un temps de rêve. Il manque un peu de soleil, quand même. Oh! Alors, attendez, il y a une maison. Déjà, c'est une très belle maison. Oui, très belle. Mais ça, les pensées, toutes ces fleurs, ça me rappelle mon enfance, je ne sais pourquoi. Comme les giroflées. Et des fleurs comme ça qui me rappellent lorsqu'on était petit. Vous n'avez jamais été petit? Moi? Oui. Ça remonte, quoi. Et vous? Oh, bah, moi, c'était hier. Eh bah, voici les pensées de votre jeunesse, monsieur. Eh bah, c'est magnifique. Il n'y a toujours personne d'autre. Moi, j'ai mis mes affaires là, il y a... Mais regardez, mais tout est... On a l'impression d'être vraiment nos arrière-grands-parents, ou nos grands-parents. Non? Vous avez vos parents? Ouais, oui, ça va. Et vos grands-parents? Oui. C'est vrai que ces buffets avec les verres et transparents comme ça, c'est... Ouais, j'ai connu ça. Et regardez, venez voir, voilà. Qui joue du piano? Non, pas moi, désolé. Eh ben, il y a un piano. Je sais pas jouer d'instrument. Non, non, non. Tu chantes? Du triangle un peu. Triangle? Ah non, c'est moi le triangle. Ah ouais? J'ai commencé la musique, moi, et j'ai terminé au triangle. C'est vrai? Donc, tu vois, j'étais bon. Le triangle? Ouais, le triangle. On fait ça. C'est tout? Pas d'autres instruments? C'est l'instrument des flemmards, celui-là. On va voir le jardin? Vous voulez voir? Ouais, jardin, ouais, allez. À la toiture, là. C'est sympa. Ah ouais, c'est magnifique. Et puis l'idée de nous réunir. Non, mais l'idée d'arriver en bateau, de réunir des gens comme ça, c'est vachement bien. C'est génial. Ouais. Mais on peut pas allumer. Tu t'assois ici, un alligator ou deux, t'es dans le Massachusetts. Exactement. Alors, est-ce qu'il y a des poissons ici? Oui, je suppose, sinon ils n'auraient pas mis de canne à pêche. Vous montrez comment vous faites, les hommes? Ah! Ah, ça, c'est cool pour pêcher, par contre. Mais moi, je crois pas qu'il y a des poissons qu'on peut attraper comme ça. On va essayer, Daniel. On doit pouvoir. Oui, Kev. En tout cas, ils n'en ont pas mis. Cet endroit, il est époustouflant. Hein? Il est époustouflant, cet endroit. Ah! Nous ne sommes plus seuls au monde. Mais vous êtes trois, vous n'êtes pas seuls. Comment ça va? Bonjour, merci. Daniel. Bonjour Franck, enchanté de vous rencontrer. Ben, c'est vrai qu'on se connaît. Moi je savais pas que vous existiez vraiment, enfin je vous expliquerai dans un instant. D'accord. Salut Kev, comment vas-tu? Ça va? Moi, je... Ah, vous connaissez bien. Mais non, mais on s'est croisés, j'ai vu son spectacle. Et j'étais épaté, voilà. Ça vous expliqué dans Et il est où son spectacle? Il va vous raconter, il est parti. Attends, bah, on va attendre. Attention, ne mettez pas ça. Je me suis permis d'emprunter ton épuisette, Fred. Vous avez bien fait. Ah, ils se connaissent bien, hein. Mais enfin, pas oui, il emprunte l'épuisette, ça veut dire qu'on se connaît bien. Bah oui, c'est quand même un signe. J'ai pris ton épuisette, donc... Ah, alors qui veut un petit verre? Un petit verre, allez, un petit verre. Ouais, quand même. Bon, alors, vous savez que ça me fait trop plaisir de vous voir ensemble. Parce qu'évidemment, quand on voit tous les trois, on peut se demander quel est le rapport. Oui. Bon, il y a des rapports, hein. Je voulais savoir comme ça, parce que vous n'êtes pas des mêmes générations, etc. Donc, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà vu Kev Adams? Je n'ai jamais vu Kev Adams. D'accord. Alors, vous savez que c'est l'idole d'une génération. Mmh. 21, c'est ça? 22. 21, ouais. 21 ans. Il remplit des zéniths à l'âge où plein de gens se disent « Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie, en fait ?» Il y a des acteurs qui attendent, comme Cadmerat, Jean Reno, Louis de Funès. Il y a des gens qui ont attendu l'âge de 40 ans pour connaître le succès. Et donc, on va essayer de comprendre un peu s'il peut partager son secret. Ce serait formidable. Moi, j'aimerais bien ça. Bonjour, Danièle. Pourquoi je ne te connaissais pas? Je suis désolée. Ben, je sais pas. Parce qu'il a que 21 ans. Mais j'ai que 21 ans, ça fait pas longtemps que je fais ce métier. Hein. Si par exemple vous avez eu une panne de télé l'année dernière, c'est fort probable que... Je te remercie. Ça s'est passé. On va pas dire vite pour lui, parce que ça fait longtemps qu'il y est, qu'il s'y colle depuis qu'il est petit. Mais en tout cas, voilà, c'est les 2 dernières années, c'est hallucinant dans votre vie. Votre vie alors, il est quoi? Il est tout mignon. Il a 3000 dents, fait 20 dents. Il est mignon comme tout. Vous l'aimez déjà, ça se voit. Mais il est sain. Mais on peut se pécho, Danièle, hein, c'est possible. Alors, Danièle Evenou, il faut que je vous fasse une confidence. Quand j'ai dit que j'allais passer 24 heures avec vous, j'ai plein d'amis qui voulaient être à ma place. Et j'aurais demandé pourquoi. Il me dit, j'adore. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais parce que, je sais pas, elle me fait rire. Il y a une forme de, je sais pas, de fantaisie qui plaisait à tous les amis que j'avais, qui avaient envie de passer du temps avec vous. Et moi, il y a un truc qui est très impressionnant, c'est que vous êtes tellement charismatique et tellement sympathique, vous avez rendu populaire le métier le plus détesté de la planète. C'est-à-dire, c'est contractuel. D'accord. Mais il sait pas, là. Mais non, Marie Pervenche, c'est sans doute une des séries qui a battu le plus de records en France. D'accord. Qui a été écrite sur mesure pour Danièle, parce que c'est une nature, comme on dit. D'accord. Et donc, rendre sympathique une contractuelle, c'est un exploit. Oui, oui, il va falloir, voilà. Les femmes qui mettent des contraventions. J'ai compris, oui, oui. Voilà. Alors, en revanche, j'avais compris, quoi. Ah. Et le truc, c'est que les hommes qui tombent amoureux d'elle, c'est pas n'importe qui. Jacques Brel, 2 ans. Jacques Martin, 2 enfants. Georges Fillioud, ministre en exercice sous François Mitterrand, avec qui vous passez une bonne partie de votre existence. 28 ans. 28 ans. Donc, on se dit, mais c'est qui? Qui est Danièle Evenou? Moi, j'aime aussi dire que c'est... bon, vous êtes une histoire, un conte de fées à l'américaine, c'est-à-dire que c'est pas d'un milieu modeste que vous venez, c'est d'un milieu très très pauvre. Mmh. Non seulement vos parents rêvaient pas de ce qui vous est arrivé, mais vous empêchez de rêver. Ma maman, mon papa... Ouais. Mais votre maman vous empêchait de rêver. Pour elle, le métier que je fais toujours, c'est un métier de catin. Elle voulait même pas dire putain, parce que c'est un vilain mot qu'on ne met pas dans la bouche. C'est un mot sale. Maman disait, arrête de dire des cochoncetés. Des cochoncetés? Des cochoncetés. Et Franck Provost, pour vous, c'est quoi? Vous le connaissez pas? L'image, le nom? Je suis entourée de Franck Provost, parce que j'habite à la Bastille. Il y a des salons partout, c'est ça? Il y en a qui vient de fermer. Oh, pardon. Mais il y en a plein qui vivent tous les jours. Il est boulevard Richard Lenoir. Enfin, il n'y est plus. Ouais, peut-être. Bah, c'est-à-dire que Franck Provost, faut juste rappeler. Peut-être déplacé, quoi. Franck Provost, donc, est le coiffeur qui coiffe chaque année, alors je sais pas comment il fait, 30 millions d'êtres humains sur la planète. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Et donc, on va essayer de comprendre un peu, voilà, comment on passe d'un petit coiffeur de province à le numéro 1 français et un des numéros 1 mondiaux, parce que c'est ça l'histoire. Vous l'avez invité un peu pour se moquer de moi, c'est ça? Il y a une pub dans tous les journaux, il y a sa tête. C'est vous, dans les journaux. Ah bah parce que pas les artistes. Parce que l'égérie de Franck Provost, c'est Franck Provost, en fait. Et bien sûr, et ça coûte beaucoup moins cher. C'est vrai. Et bon. Oui. J'allais vous demander, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Mais c'est à toi de nous dire, non? Ben non. Moi, j'aime bien l'idée que les invités puissent participer. Donc, si vous proposez, vous faites à manger, je n'arrive pas à vous imaginer devant un fourneau. Kev Adams. Moi, franchement, alors, une entrée, un plat, un dessert. Moi, j'aime bien l'idée que chacun propose un truc. Ok, je ferai une entrée, alors. Ouais. Bah, je veux bien faire un gratin dauphinois. Oui, vous savez bien faire le gratin dauphinois. Oui. Mais vous l'avez fait à des gens aussi importants que Franck Provost? Oui. Attendez, c'est quoi l'histoire? Bah, je l'ai fait, par exemple, au président de la République, François Mitterrand. Vous avez déconner. Le gratin qu'on va manger, là, vous l'avez fait à François Mitterrand. Ouais. Enfin, pas le même, hein. Ouais. Mais c'est quoi l'histoire? Bah, Jacques Martin, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr. Non, mais attends, tu es si jeune. Et où sont les parents? Et comment s'appellent-ils? Ils se rappellent. Et Jacques, Il fallait absolument savoir faire le gratin dauphinois selon lui. Et c'est une merveille. Il ne fallait absolument pas se tromper, sinon il se mettait dans les colères folles. Chaque fois que je faisais ce gratin, il me notait. Sans déconner. Il me disait là, t'es top. Sans déconner, oui. Et vous acceptiez ça? C'était pour, soi-disant, mais j'ai souvent pleuré surtout. Parce que j'avais pas mis... la deuxième fois, je me souviens, je m'étais trompée, j'avais mis du gruyère râpé sur la dernière rangée. Drame! Mais drame! Parce que la dernière rangée, il faut que les pommes de terre beach, sel, poivre, noix muscade et pas de gruyère. Oh là là! Mais ça donne quoi? Bah, c'était très bon. J'ai jamais vu quelqu'un en colère à cause d'un gratin. Ah bah Jacques, si. Vous pouvez demander à tous les enfants... Ah oui, oui, mais c'était terrible, quoi. Mais comment ils pouvaient être aussi gentils avec des enfants à la télé et se vénèrent à cause d'un gratin? C'est vrai que il supportait pas qu'on se trompe. Pour lui, c'était comme piloter un avion. Voilà. Le gratin? Oui, faire la cuisine. On ne se trompe pas. Il n'est pas d'accord, Franck Provost. C'est comme un peu perfectionniste, quand même. Je trouve que c'est moins dangereux que de piloter un avion, quand même. Hein. Oh, gratin, mais Jacques était capable de tout était important, ça, vous voulez dire. Tout. Oui. Et François Mitterrand, alors, vous avez le trac, j'imagine, quand vous faites un gratin pour François Mitterrand? Bah, bien sûr. Mais ça se passe comment? Quel contexte? C'est à quelle époque? Il y avait des flics partout. Mon mari était ministre à l'époque. Je sais. Hein? Georges Fillioud, ouais, ministre de la Communication. Homme. Et je ne me suis pas trompée. J'ai fait le gratin... Parfait. Parfait. Dur. Il a kiffé sa tête. Comment on dit kiffer? Il a kiffé, ouais. Oui, oui. Mais on dit, comment on dit kiffer raide? Kiffer quoi? Kiffer quoi? Raide? Non, kiffer. Est-ce qu'il a kiffé? Il a kiffé grave. C'est l'expression. Oh. Est-ce que François Mitterrand a kiffé grave le gratin Danièle Evenou? La réponse, vous l'aurez. Vous l'aurez un peu plus tard. Bon, moi, je veux savoir si vous lâchez prise. Est-ce que ce panier, vous savez à quoi il sert? À quoi il sert? C'est un symbole. C'est pour ceux qui sont capables de décrocher, mais vraiment de décrocher et de mettre leur portable. Sérieux? Moi, je te dis franchement, je vais le faire, mais... C'est violent. Ouais. Pourquoi? Mais parce que je te jure, mon portable, c'est horrible, hein, mais dans ma génération, mon portable, c'est trop important, quoi. C'est-à-dire? Je sais pas, c'est trop important, quoi. Mon portable, c'est le prolongement de ma main, tu vois. Et donc, se couper là, c'est terrible. Je vais le faire, Fred, parce que... C'est à contre-cœur, je sens. Parce que j'ai envie de jouer le jeu. Ouais. Mais à contre-cœur. Vous, Franck, vous êtes capable? 20 000 collaborateurs. Je suis capable, moi. C'est vrai? Ouais. Et vous, Danièle, dites donc qu'on parle des autres, là. Vous pouvez... Je l'ai déjà laissé dans la maison. C'est vrai? C'est parce que Danièle, c'est un téléphone comme ça, donc elle était obligée de le laisser dans la maison. Alors, vous êtes capable... comme 2000. Vous êtes capable de vous détacher de ça? La preuve. Ouais. On n'est même pas sur moi. D'accord. Bon, ben super. Je propose qu'on essaie d'installer quelques minutes dans mon endroit préféré de la maison. OK. On y va? Let's go. On laisse tout là? Bon, allez, on l'emmène. D'accord. On l'emmène. Et on mène le verre de vin. C'est quoi? Je vais prendre les portables. Kev, K-A-V-E. K-E-V. Oh, venez voir. Oh. Oh putain, ça a toujours été mon rêve de... D'avoir un grenier? Non, d'avoir une machine à écrire. D'avoir une... Une machine à écrire. Oh, c'est magnifique. Et ça, c'est... Ça, c'est... Ah bah, c'est Sarkey, je t'écris dessus. Libération. Regarde. 25 francs, oula. Mars 80. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Ah. Eh, oui. Les alliés libés. Déjà, la marée noire a un nouveau pays. Moi, le la Grèce. Mieux, regarde. 63. L'assassinat de John Kennedy. C'est génial. Ça, c'est génial. Ça, c'est incroyable, hein. Pardon, monsieur Kev. Pardon, madame Danièle. Alors ça... Oh là là, la machine à écrire. Danièle Evenou, vous grandissez dans un milieu plus que modeste. Il n'y a pas l'eau courante quand vous démarrez les premières années. Non, il y avait la terre battue par terre chez ma grand-mère. Oh, maman me gauze. Elle a été une femme debout jusqu'à la fin de ses jours. Je l'ai jamais entendu se plaindre. Je l'ai adorée. Elle est morte quelques jours avant que je lui présente mon fils aîné, Frédéric. J'aurais voulu qu'elle attende. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est quel genre de petite fille vous êtes à l'époque. Il paraît que vous êtes très coquette. Oh oui, je crois. Lorsque je vois mes cheveux, là, eh bien, je me regardais déjà dans la glace ou bien dans l'eau du puits. Vous regardez dans l'eau du puits? Oui. Ben oui, je me penchais. Et déjà, ma grand-mère devait se dire, elle va tomber dedans. Et elle me disait, arrête de te regarder, Nini. Tu vas voir le diable. Alors, votre mère a un très fort caractère. Vous la définissez comment? Il y a une expression que vous employez à son sujet. Oui. Elle était un peu coupe-couille. Ça veut dire quoi? Je suis exactement la fille qu'elle n'aurait pas voulu avoir. Jamais ma maman ne m'a dit « tu es mignonne, tu es jolie ». Jamais. Bon, j'étais peut-être pas jolie. Non, on trouve que vous étiez mignonne. Peut-être qu'elle ne l'exprimait pas, mais... J'aurais bien aimé l'entendre. Oui, on a toujours envie qu'on vous dise que vous êtes bien, que vous êtes beau, qu'on va aller au-dessus des autres. Non, ma maman, il fallait être en dessous. Jacques Martin l'avait baptisée « Madame, je suis de trop partout ». Je suis de trop partout. Oui, parce qu'elle ne s'asseyait, alors là, absolument pas comme toi. Elle se serait assise au bout du fauteuil. Si elle avait pu se mettre sous le fauteuil, bord, elle l'aurait fait. Bord. Pour pas déranger. Pour pas déranger. Donc, vous grandissez donc avec cette maman qui a un très fort caractère, qui fait pas de compliments et il faut pas que les têtes dépassent. On verra comment ça se passe quand vous lui annoncez ce que vous avez envie de faire dans la vie. Franck Provost, donc vous grandissez dans la Sarthe? Absolument, moi, une petite ville, pareil. Petite ville de 4000 habitants. Mon père est invalide de guerre et donc ma mère, elle est au foyer, puis elle s'occupe un petit peu, ils sont aussi cultivateurs. Dans le milieu modeste. Dans le milieu modeste, complètement. Et bon, ça, tout se passe plutôt pas mal, mais bon, comme Danièle, c'était pas une famille où on se disait je t'aime ou quelque chose, quoi. Moi, il y a toujours eu une pudeur. J'étais un peu timide, un peu... Ben, on m'a pas rassuré, on m'a pas donné la confiance, quoi. Et puis... À l'école, ça se passe comment? Bon, à l'école, ça se passe pareil, pas terrible, quoi, parce que je commence au premier rang et je termine au dernier. Et je suis là dans mon coin. J'ai l'impression que de pas être compris, quoi. Moi, j'ai des enfants et c'est important de s'en occuper, ou des petits-enfants, parce que je crois que dans la vie, au départ, il faut essayer de comprendre les enfants, et je crois que tout le monde peut arriver à faire quelque chose. Il faut leur dire qu'ils sont beaux, qu'ils vont réussir. Il ne faut pas aller vers le bas, il faut les emmener vers le haut. Toujours en disant... D'accord, je vais dire ça au mien. Tu ne feras jamais rien, je pense que c'est pas la bonne formule. On va essayer de comprendre comment vous avez eu des déclics comme ça pour aller vers la lumière, mais pour comprendre l'enfance de Kev Adams, donc c'était il y a beaucoup moins longtemps, hein, parce que vous avez 21, c'est ça? 21, bon. Ouais. Donc vous grandissez, non pas dans un milieu modeste, mais c'est important de tout assumer, donc vous grandissez dans quel milieu? Dans un milieu, j'ai envie de dire, normal, quoi. On n'a jamais roulé sur l'or, mais par contre, j'ai toujours eu tout ce dont j'avais besoin, des fournitures pour aller à l'école, ce que j'aime, ma mère me cuisinait ce que j'aime pour manger, et je partais en vacances. Donc, j'allais dire normal plus même. Mmh. Et donc, précisément, ce petit garçon grandit où, dans quelle ville? J'ai grandi jusqu'à mes 13 ans rue Botzaris, dans le 19e arrondissement à Paris. Et après, j'ai déménagé à Neuilly-sur-Seine. Et les parents font quoi exactement à ce moment-là? Ma mère, elle a toujours travaillé dans une société qui s'occupe de finances, de bourses, etc. Elle a toujours été employée dans cette société, mais jamais vraiment compris ce qu'elle faisait exactement. Plusieurs fois, elle a essayé de m'expliquer quand j'étais petit, mais à chaque fois, je écoutais le début et puis je laissais tomber. Donc, Et mon père, ben, voilà, il avait une boutique de téléphonie mobile sur les grands boulevards, et puis ça a fermé. Malheureusement, ça a fait faillite à un moment donné, et puis il s'est reconverti dans l'immobilier. Et puis voilà, depuis, il fait un peu d'immobilier et tout ça, mais ouais, je dirais, enfance, j'ai vraiment adoré mon enfance. Avec de l'affection. Et ouais, contrairement à vous, désolé, Ah non, moi j'étais très heureuse. Non, mais contrairement à vous, moi mes parents m'ont beaucoup dit qu'ils m'aimaient. J'ai toujours été très proche. Mais je pense que mes parents m'aimaient. Hein. Mais j'en suis sûr, Franck. Mais moi aussi, j'en suis sûr. C'était une espèce de pudeur, de pas le dire. Mais je comprends cette pudeur. Moi, j'ai eu un père qui était très pudique aussi, comme ça. Très pudique, et une mère, au contraire, très proche, très protectrice de ses enfants. Donc... Et voilà, une famille très soudée, pleine d'amour, donc non, j'ai jamais manqué de rien. Et ils vous donnent confiance en vous? Et ils me donnent confiance en moi, en tout cas, ils me mettent en avant, ils me mettent en valeur, ils me freinent pas dans mes envies, dans mes rêves. J'ai envie de faire du théâtre, ma mère, elle m'inscrit au théâtre. On va pas trop vite, parce qu'effectivement, c'est assez hallucinant, parce que vous avez des déclics assez jeunes. Donc, ce que je veux comprendre, c'est, vous êtes à l'école, donc on l'a dit, pas toujours compris. Et comment ça se passe, en fait? C'est quoi vos rêves à ce moment-là? Alors, lorsque j'avais 14 ans, j'étais dans la banlieue de Paris, à Meulan, et l'école a eu une merveilleuse idée, c'est de nous emmener en autocar à Paris, au Théâtre National Populaire, le TNP. Et je vois Gérard Philipe. Je crois que le premier spectacle, c'était Le Prince de Hambourg, mise en scène de Jean Villard, et j'entends les trompettes du TNP. Gérard Philipe, je ne savais pas qui c'était exactement, mais il était magnifique. Les textes, tout est beau et beau. À la fin du spectacle, nous reprenons l'autocar. Et arrivé chez papa et maman le soir, je leur dis, un jour, je serai comédienne. Ma mère m'a dit, jamais, c'est un métier de catin. Et elle dit, tu ne seras jamais comédienne, tu vas être sténodactylo. OK. Donc... Vous dites OK, vous en pensez pas moins. Bien sûr. Vous avez une petite stratégie. Ouais. Alors, stratégie, c'est quoi? Alors, j'ai mon 120 mots minutes. J'ai les examens. On a le diplôme, hein. Ah là là, mais ça, ce sont les seuls diplômes que j'ai. Examen. Regardez, avec une seule faute. J'ai fait qu'une seule faute de frappe. Non, mais... C'est un diplôme dont vous êtes fier. Ouais. Je suis très fière de ça. Et mon papa travaillait à Paris. Là, la sténodactylo anglaise, ça n'existe pas à Vaux-sur-Seine ni à Meulan. Le seul truc, c'est Paris. Vous trouvez un bon prétexte. Voilà. Et maman, fière, me dit, ah, c'est le dactylo anglaise. Et tous les matins, je prends le train avec mon papa. Et je dis à papa, papa, s'il te plaît, inscris-moi au TNP, au cours Charles Dulin, là où j'ai vu Gérard Philipe. Non, ma petite fille. Papa, s'il te plaît, non, ma petite fille. Et au bout de 2 mois, papa a craqué. Il m'a dit, mais alors on va aller au TNP. Mais tu sais, ma petite fille, maman va me tuer au retour. Papa, on prend le métro, on arrive au TNP. Et là, papa a dit, ça coûte combien? Il a donné l'argent. Il m'a regardé dans les yeux. Il pleurait. Il m'a dit, tu vois, ma petite fille, cet argent-là, tu ne pourras jamais me le rendre. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Bah que ça allait être la guerre à la maison. Et que c'était pour lui un sacrifice énorme de désobéir à maman, que ça allait être un drame. On est reparti. Moi, ma joie était énorme et papa pleurait. Et lorsque nous sommes arrivés 2 heures plus tard, maman a compris. Et elle lui a dit, tu as fait de notre fille une catin. Et tout le monde a pleuré, sauf moi. C'est extraordinaire, cette scène. Hein. On verra tout à l'heure comment elle a réagi quand vous étiez femme de ministre, quand même. on verra tout à l'heure parce que c'est énorme. Kev, ce qui est incroyable, parce que vous avez un point commun. On se rend compte que cette petite gamine, à un moment donné, a un déclic et va aller vers ça de manière irrésistible et va entraîner effectivement une famille qui est contre. Vous aussi, en tant que gamin, alors on a vu que c'était un milieu social différent, etc., vous avez un déclic et vous savez ce que vous voulez faire. Alors, le déclic, c'est que... ma mère, elle m'emmenait beaucoup au cinéma quand j'étais petit. J'adorais ça. J'ai toujours adoré aller au cinéma. Et elle m'a emmené voir le film Titanic. C'était au Grand Rex. Et vous avez quel âge? Je devais avoir 7 ans. Et je sais pas, j'ai vu ce film. Je voyais tous les gens qui dans la salle, ils vivaient le film. Tu vois, ils pleuraient. Et même moi, j'ai été hyper ému. Et genre, j'ai vu Leonardo DiCaprio. Il avait la classe, quoi, tu vois. Il représentait tout ce que j'avais envie d'être. J'étais petit, bouboule, les cheveux gras. On dirait une pub de Franck Provost. Vous avez les cheveux gras? Les cheveux gras et ondulés, tu vois. Et là, je vois un cum sec, beau gosse, petite chemise qui arrive, un peu style années 30, avec une mèche où il fait comme ça. Tu vois, donc pour moi, c'était Dieu le cum qui était dans l'écran. On immense avec son visage 8 mètres sur 12 et toutes les meufs dans la salle qui pleurent et tout. Je suis sorti de là, j'ai regardé ma mère, je dis je veux être lui, moi. Et que t'as dit ta maman? T'es plus beau que lui, arrête. Ah, bravo. C'est énorme. Alors, t'es là, parce que, bon, que la maman soit d'accord, très bien, mais la maman ne connaît personne dans le show business, on est bien d'accord. Hein, elle connaît personne, malheureusement. Et il y a un autre déclic incroyable, c'est votre grand-père qui va faire un geste qui va changer votre destin. Ce qu'il y a, c'est que, en sortant du Titanic, ça devient mon jeu, je vais dire à toute ma famille, je vais être acteur. Et puis surtout, il y a un truc qui m'amuse bien, c'est que ma grand-mère, dès qu'elle entend ça, elle n'arrête pas de me dire, mais c'est pas un métier, ça, c'est pas un métier, c'est un rêve d'enfant, c'est comme pompier. Et pourquoi vous ne l'entendez pas? Je ne l'entends pas parce qu'avec elle vit un homme qui est mon grand-père, c'est donc les parents de ma mère, et qui, lui, a toujours aimé le spectacle. C'est le monsieur avec les cheveux blancs. C'est un monsieur qui a toujours adoré le spectacle, mais adoré le spectacle. Et quand je lui dis je veux devenir comédien, il prenait souvent le mime du du café. Il me disait un bon comédien, c'était un grand fan de Chaplin, et pour lui, la base du comédien, c'était le mime et savoir faire croire aux gens à une situation qui n'existe pas. Tu vois, il prenait une fausse soupe, hop, il faisait comme ça, il me regardait, c'est chaud, oula, il posait comme ça, hop, hop, et puis hop, il prenait son truc. Ça fait du bien, un bon café, comme ça. Et puis moi, je le regardais comme ça, mais il a rien dans les mains. C'est génial. Il est fou. Le regardant. Oula. Et il arrivait à me faire voir le truc. C'est ça qui était dingue. Il me disait, allez, fais-le maintenant. Alors moi, je prenais comme ça, une connerie. Je la prenais comme ça. Et je disais, bon, bah, OK, bah, j'ai mon café. Ouais, je bois. Il me dit, ça va, c'est pas chaud? Et puis je lui disais, mais je sais pas, papy. Fais attention, là, tu l'as fait tomber, là. Tu vois, il était à fond dans le truc, quoi. Ramasse-la. Non, mais papy, tu vois. Et en fait, ça a été peut-être mes premiers cours de théâtre sans le savoir. Aujourd'hui, avec le recul, le petit recul que vous avez, 21 ans, et vous remplissez des zéniths, le grand-père, il est en train de faire un truc majeur à ce moment-là. Il est en train de faire un truc majeur, il est en train de me dire, à travers cet exemple du café, si toi, t'y crois, on y croira. Et, wow. Et c'est vrai, et c'est vrai, et ça a été... Ça si a toi, t'y crois, on y croira. Ouais. Et il fait un autre truc, c'est qu'à un moment, il vous met sur la scène. Oui, effectivement, un soir, on va avoir, avec tous mes cousins, on va voir Dany Brillant en concert. Moi, j'étais pas un dingue de Dany Brillant. Casino de Paris, ça. Au Casino de Paris. Et à un moment dans le concert, Dany Brillant, ça fait tellement cheap quand je le raconte, j'ai l'impression que c'était dans les années 40. Quoi. C'est parce que Dany Brillant chante des chansons des années 40. Oui, tu sais, c'est très la tête. Et il fait son concert, on s'éclate tous. Et il y a un couple qui monte sur scène et qui danse. Et Dany Brillant, ça le gêne pas, quoi. Il les laisse danser sur la scène du Casino de Paris. Lui, continue son concert. Et mon grand-père, quand il voit ça, il se dit, mais alors là, s'il y a bien un mec qui va aller sur cette scène plus que truc, c'est mon petit-fils. Il m'attrape. Moi, je suis hyper gêné. Je suis comme ça dans le Casino de Paris, genre, qu'est-ce qui se passe? Et il me pousse sur la scène du Casino de Paris. Et moi, je reste comme ça, genre 4 secondes devant Dany Brillant, qui est comme ça, et qui me regarde, genre, mais qu'est-ce que tu es en train de faire sur ma scène? Un peu figé, je me retourne et je descends très vite. Et il me dit, allez, t'es lourd, tu dis que tu veux être comédien, vas-y, mets l'ambiance et tout, on y va, c'est parti, machin. Et moi, je suis paralysé, je suis figé, j'ai honte, etc. J'ai 9 ans. Voilà, et j'ai 9 ans. Et il y avait face à moi un homme qui avait tellement envie que je sois sur scène, quoi. Et lorsqu'il t'a vu sur scène la première fois? Malheureusement, il m'a jamais vu sur scène, puisqu'il est mort quand j'avais 13 ans. Et voilà, et je rêvais de deux choses quand il est mort. Je rêvais d'avoir un dernier petit frère et de réaliser mon rêve de devenir comédien. Et voilà, ça fait maintenant 8 ans qu'il est mort et j'ai un petit frère, un dernier, et je suis devenu comédien. J'arrive pas à croire qu'il y est pour rien, quoi. J'arrive pas à croire qu'il y est pour rien. Donc bien sûr que j'ai mal parce que j'aurais aimé qu'il me voie sur scène, j'aurais aimé qu'il voie toutes ces scènes que j'ai vécues. Et en même temps, je suis heureux parce que je me dis, bien sûr qu'il voit tout ça. Où que ce soit, quoi qu'on croit après la mort, pour moi, c'est sûr qu'il voit tout ça parce qu'il y est forcément pour quelque chose. Et ce qu'il faut, c'est qu'il vous met tellement de choses dans la tête que d'un seul coup, vous demandez à votre mère, ça vient de vous, parce que souvent les enfants acteurs, c'est les parents qui vivent par procuration. Là, c'est vous, ouais. Et vous demandez à faire des castings, des castings, des castings, des castings. Ouais, à partir de 7-8 ans. Ouais, 7 ans. Mais ouais. Des castings de quoi alors? Tout, je faisais des castings pour la pub, pour la télé, pour le cinéma, pour Franck Provost, tout. Franck Provost, on sait pourquoi, on peut comprendre pourquoi il vous a refusé. Mais tu sais que tu rigoles, mais pendant très longtemps, il y a eu 3-4 castings qui m'ont dit, réellement, hein, vos cheveux ne font pas commun. Ne font pas commun. Ne font pas commun. Vous ne pouvez pas vous fondre dans la masse. On ne peut pas croire que vous êtes le petit garçon qui serait le petit garçon chez tout le monde. Donc là, le directeur de casting vous condamne. Ah, il te condamne. Il te dit, ta tête, elle ne correspond pas à la norme. Ah, et donc, c'est presque une condamnation pour toujours. Ah, de un, c'est une condamnation pour toujours. Mais ça, je parle de ça sur quelques exemples. Je parle pas des centaines de castings. Il y a eu une phase, parce que j'ai arrêté de faire des castings. À la mort de mon grand-père, j'ai arrêté de faire des castings. J'en ai fait de mes 7 à mes 13 ans. Et à un moment donné, c'est mon père qui m'accompagnait au casting. Et à un moment donné, je faisais jusqu'à 4, 5, 6 castings par semaine. 3 le mercredi après-midi, 3 le samedi après-midi. Donc ça faisait beaucoup. Et à un moment donné, quand t'as 75% qui te rappellent pas, quand t'as les 25% qui restent qui t'appellent en te disant « Malheureusement, vous n'allez pas correspondre pour ce qu'on cherche » ou alors « Malheureusement, Kev n'a pas du tout le profil physique que nous recherchons. » Mais tu as tourné quand même? Alors, j'ai eu un film quand j'avais 9 ans, un tout petit rôle dans un film qui s'appelle « Cours toujours » de Dante de Sarthe. On regarde un extrait, vous nous en parlez. OK. Il a 9 ans. Donc vous êtes celui qui a la chemise à carreaux. Exactement. Oh, il est à croquer. Tu la vois, ma mère? Ouais. Chut, écoute-moi bien. Je te jure sur la tête de ma mère que Dieu n'existe pas. Arrête, faut pas dire ça. de ma mère. Si je mens, qu'elle meurt à l'instant. Oh, t'as vu? Tu n'existes pas. C'est les hommes qui l'ont inventé. C'est logique, non? Ben oui, c'est logique. C'est génial. Voilà. Alors ça, non, parce que là tu dis on regarde un extrait, c'est pas un extrait. Avant de savoir ce que vous vivez de l'intérieur, qu'est-ce que vous... Tout ce que j'ai fait dans le film, c'est ça qu'il faut savoir. Là, il y a toute ma scène. D'accord. Voilà. Mais ça doit être énorme pour vous qui êtes tout le temps refusé. Exceptionnel. Ah non, mais cette journée, je m'en rappellerai toute ma vie. C'était un jour et demi de tournage. Mais je m'en rappellerai toute ma vie parce que ça a été d'abord le premier appel de tes prix, ça y est. Vous vous rappelez de qui vous le dit et vous êtes... Ma mère, elle vient me voir, j'étais dans la chambre de chez mes parents, elle me dit voilà, ils ont rappelé pour le casting. Moi, bon, bah alors, qu'est-ce qui va pas cette fois-ci, quoi? Bah non, cette fois-ci, c'est bon. Cette fois-ci, ça y est. Cette fois-ci, c'est toi. Et moi, j'avais gagné la Coupe du Monde intersidérale, quoi. Ça y est, j'étais Brad Pitt dans ma tête à ce moment-là, tu vois. Et alors, vous arrêtez de faire des castings à la mort de votre grand-père, et à partir de quand vous commencez à écrire des choses pour vous? Parce que d'abord, il y a une idole. Il y a une idole. C'est qui l'idole? Bah, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui a bercé mon enfance, c'est évidemment Gad Elmaleh, parce que, en fait, on avait un truc quand on était petit, tous les samedis. Mon père, il mettait le DVD de Gad Elmaleh, son deuxième spectacle, et on était tous en famille, on regardait le DVD. Et puis ça me plaît, alors elle m'achète aussi la cassette de Jamel, et celle de Eli Kakou, et celle de Courtemanche, et celle de Coluche, et je commence à regarder plein d'humoristes comme ça, et à adorer ça. Pas parce qu'ils font rire, mais surtout parce que les gens, ils les aiment. Et que tu vois surtout, je te jure, quand tu regardes un DVD de Gad ou de Jamel, et qu'ils font des plans sur le public, tu vois que les gens, ils sont pas juste là, genre... Ils les regardent avec des yeux de « Putain, vous nous rendez heureux. On sort du boulot, on sort de l'infirmerie, on sort de l'école, on sort de l'hôpital, on se pose tous dans cette salle, on est 2000, et les 2000, on est heureux et on rit des mêmes choses. » Et ça, ça m'a fasciné quand j'étais petit. Et de là... Oh bah la suite, on la racontera plus tard. Mais ce que je peux juste te dire pour donner envie de la suite, c'est que ce gamin qui voit Gad Elmaleh fera des années plus tard, mais pas si longtemps finalement, première partie de Gad Elmaleh. C'est vrai. Mais on en parlera plus tard, on en parlera plus tard. Vous allez dire quoi, Danièle? Moi, il me fascine. Je suis sous son charme. Bon, allez, je vais pécho Danièle, c'est bon. Et je réponds. Non, mais il y a une évidence. Bah, c'est très gentil. Tu as 21 ans. 21, ouais. Je viens de les avoir. Tu les as fêtés sans nous? Danièle, tu les as fêtés sans nous. Alors, Franck qui dit rien depuis tout à l'heure, qui regarde deux comédiens. Parce que je suis fasciné aussi. Ah, oui. Deux histoires incroyables. Deux histoires, quoi. Et puis, ils racontent tellement bien leurs histoires. C'est formidable. Ça met la pression pour vous? Oui, ça me met la pression. Parce que moi, moi, je suis un peu introverti. J'ai un peu du mal à me livrer, quoi. Mais c'est fou que tu dises que tu sois introverti, parce qu'à chaque fois que je regarde tes publicités, moi qui ai toujours eu beaucoup de questions au niveau de tout ce qui est capillaire, tu vois. Mais c'est vrai. Je me questionnais beaucoup étant petit. Tu vois la pub de Franck Provost, le gars, il a l'air apaisé, propre. J'ai la solution pour vos cheveux. Il te le regarde, il te le dit, t'y crois, quoi. Et ça, c'est exceptionnel. Mais justement, mais avant d'être dans 30 pays dans le monde, etc., rappelons-nous comment ça se passe, comment la coiffure rentre dans votre vie. Là, ils viennent de parler de déclic très puissant sur le plan émotionnel. Vous, c'est pas du tout ça. Non, moi, je végétais, quoi. Et puis... dans la Sarthe. Dans la Sarthe, petite ville. Et puis ma mère va se faire coiffer chez son coiffeur. Puis elle revient, elle me dit, tiens, il recherche un apprenti. Coiffeur, moi... Mais elle aurait dit, je reviens de chez le mécanicien qui a réparé la voiture, il cherche un apprenti, ça aurait été la même chose. C'est ça qui... Peut-être pas mécanicien, mais je ne veux pas déplaire à mes parents, comme voilà, je me fais tout petit, puis je fais cet apprentissage... 3 ans. 3 ans. Attendez, 3 ans d'un apprentissage où vous faites... Ouais, c'est ça qui est extraordinaire. Faut faire le ménage le soir, tout ça. Enfin, rien qui puisse me... Aucun plaisir à couper des cheveux. Bah, je coupe pas les cheveux. Ah, oui, nettoie les cheveux coupés, c'est ça? En apprentissage, vous ne faites que nettoyer. Et donc, je vais dans une ville un peu plus grosse à côté. Après l'apprentissage? Après l'apprentissage. Puis là, c'est pareil. Bon, je deviens coiffeur, mais... Bon, les gens sont gentils avec moi, quoi. Parce que... Mais je sens que je suis pas un bon coiffeur, quoi. Je le sais, moi. Techniquement? Techniquement, quoi. Et là, mon père, un jour, me dit quand même... Bon, il voyait bien que j'étais tranquille, comme... Il me dit, si tu veux faire quelque chose dans la coiffure, c'est pas là que ça se passe, tu dois aller à Paris, c'est la capitale, c'est la mode, c'est là que ça se passe, quoi. Vous connaissez Paris, à ce moment-là? Je connaissais pas du tout Paris, moi. Quel âge? J'ai 18 ans. 18 ans et je connais pas Paris et je trouve une place dans un salon à côté de la place Clichy, rue Bio. Et là, dans ce salon, je découvre Paris, quoi. C'est-à-dire que c'est... Attendez, là, on est à côté de la place Clichy, donc pour ceux qui ne connaissent pas Paris, c'est à côté de Pigalle. C'est Pigalle. Donc c'est notre population que la Sarthe. C'est complètement... Alors là, c'est jour et la nuit, je découvre bon, d'abord... les femmes. Mes clientes, voilà, c'est des prostituées. Des prostituées, d'ailleurs, sympathiques, hein. Oui. Et donc, elles sont... Ne faites pas comme ça, parce que nous, on imagine des trucs, hein. Sympathiques. Ah oui. Non, mais il a l'œil coquin. Non, mais je veux dire... Ah bah, il revenait de la Sarthe, il y avait des années à rattraper, hein. Des années à rattraper. Mais non, mais quand je veux dire sympathiques, elles sont tolérantes sur mes capacités professionnelles. Et puis là, après, je rencontre également d'autres amis qui m'emmènent dans un club de coiffure où là, on peut faire des concours de coiffure. Puis donc là, je prends goût à ce métier et à découvrir que finalement, la compétition, l'esprit de compétition m'intéresse. Et je me prends au jeu et je travaille et puis je commence donc à gagner mes concours. Et à ce moment-là, je prends conscience que finalement, je peux faire aussi bien et peut-être mieux que les autres, quoi. Et que tu te dis, je vais leur faire voir, quoi. C'est ça, il y a quelque chose à prouver à quelqu'un. Voilà. Je vais leur faire voir. Et je pense que justement... À qui, à ce moment-là? Vous voulez faire voir quoi à qui? Bah, je pense à... À tes parents? À mes parents, bien sûr, en premier, mais... Qui s'étaient résignés à l'idée que vous étiez moyen. Oui, exactement. Et besoin de reconnaissance. Le besoin de reconnaissance existe chez beaucoup de gens qui sont dans la lumière. On vient de le voir chez vous, hein. Une maman qui dit non, c'est pas pour toi, et vous, si, c'est pour moi. La même chose, je suis moyen, mais je vais leur montrer que non. Et vous, c'est moins clair. Parce que du coup, comme vous avez eu de l'affection, qu'on vous dit oui, bah vas-y, va vers tes rêves, le besoin de reconnaissance, qu'il faut beaucoup de... Moi, le besoin de reconnaissance, c'est marrant, mais... il est venu comment? Contrairement à vous, ça vient pas du tout... c'est pas du tout familial, en fait. C'est réellement, et j'en parlais tout à l'heure, tous ces directeurs de casting qui m'ont regardé dans les yeux en me disant non, non monsieur, non. Et au lieu de me dire mais je suis foutu, c'était toi, c'est une de plus sur la liste à qui il faut que je prouve que je suis fait pour ça. Et comment vous expliquez cette détermination? Je sais pas. Moi très tôt je me suis dit là où je veux aller c'est là. Alors certes c'est bizarre, certes c'est spécifique, mais personne va se mettre sur ma route. Et certainement pas une petite rousse qui fait faire des castings ou un mec moustachu qui fait faire des castings. Certainement pas quoi. C'est un tueur. En même temps, c'est un romantique tueur. Ce qui est fabuleux, c'est que c'était à jamais, mais jamais, ni déprimé. Et résigné. Rien. Et un truc comme ça, soit tu rentres chez toi et tu te dis « je suis foutu » et t'écris 10 ans après un roman en disant « ça aurait dû être ma vie ». Tu vois? Soit, je sais pas, soit tu te dis « mais non, mais t'es qui toi ?» mais... Tu sais, j'aurais dû te rencontrer plus tôt. Mais on a toute la nuit, Danièle. Parce que moi, qui ai toujours des doutes, je me pose toujours plein de questions. J'ai toujours peur. En fait, je suis un petit peu comme maman, en définitive. Est-ce que c'est ma place? Je ne suis pas aussi forte qu'on ne pourrait le croire. Mais là, tu me donnais cours. Mais chapeau, je veux te voir tous les jours. Et je suis sûre... Ça peut s'organiser, ça peut s'organiser. ...que je n'aurai plus de doutes. En tout cas, tu n'en as pas pour l'instant. J'en ai eu, attention, bien sûr que j'en ai eu. Bien sûr que tu rentres le soir parfois. Je dormais dans un lit superposé avec mon petit frère. Et mon petit frère, il croyait que je me touchais quand j'étais petit. Réellement. C'était pas vrai? Non, je me touchais pas. Je tournais dans mon lit parce que je réfléchissais à ce qui m'arrivait dans la journée. Et je tournais. Et parfois, je me refaisais même les scènes parce que j'apprenais, mais avec un sérieux, les scènes pour les castings. Donc je tournais. Et à chaque fois, il était en bas, mon petit frère. Et il me disait, si tu continues, je vais le dire à papa et maman. C'est du bien de prendre l'air un peu. Ouais, c'est agréable. Quel endroit agréable. Allez, les cannes à pêche. On prend les parapluies au cas où on sera surpris par la pluie. Oh, ça va être mignon. Allez-y, je vais détacher. Merci, avec charmant jeune homme. Alors, je me mets dans quel sens? Oh, dans le sens que tu veux, Danièle. Oh là! Je vais avoir le... Les phrases sorties du contexte. Non, je me mets là. Bah, on va y aller, hein. Ça va. Mais bon, oh là là. Tu y vas? Oui. Allons-y, Moussaillon. Kev, vous arrivez à imaginer Franck à 20 ans? J'imagine plutôt sûr de lui, doux. Ouais. Pas trop entreprenant. Romantique. Romantique, voilà. J'avais les cheveux aux épaules. C'est vrai? C'est vrai? Ah ouais. Déjà un destin particulier avec les cheveux, quoi. Déjà. Tu frises facilement? Les questions. C'est à moi que tu poses la question, Danièle? Non, pardon. C'était pas à toi. Et on va jeter l'encre. On jette l'encre? Vas-y, doucement. Moi, je préfère la bleue. Ah bah voilà, regarde. Je... Hop. Qu'est-ce que vous pensez à quoi? Vous êtes pris par le décor. C'est exceptionnel. Ouais. Vous avez déjà pêché, Danièle? Non. Première fois? Première fois. Moi, je suis heureux de vivre une première fois avec Danièle. Ah. Première fois. Qui se souvient de sa première fois ici? Bah, ma première fois de quoi? On ne sait pas de quoi on parle. De manger des frites? Moi, je ne m'en rappelle pas spécialement. Si. Qui se souvient de son premier baiser? Moi, je m'en souviens. Ah, moi aussi. C'était où, toi? Je me souviens, j'avais l'impression que tout le monde... enfin, que j'avais changé, quoi. Je me regardais dans les vitrines, dans la glace. Et que ça se voyait, c'est ça? Ça se voyait, ouais. Vous aviez fait un bisou? Ah ouais, ouais, ouais. Et voilà, c'est rigolo, quoi. Attends, je... Ça, ce sont des verres? Putain. Non, tiens, en voilà un verre. Au fond du café. Tu me... Ah non. Mais quelle horreur! Attends. Il faut... Ah non, non, non. Je ne toucherai pas ça. Et vous, Kev, le premier bisou avec la langue? C'est arrivé tard, moi. C'est arrivé tard. J'avais 11... J'avais 9 ans et demi. C'est arrivé tard et pour moi, c'était une victoire et en même temps... Et en même temps, ça voulait rien dire pour elle et pour moi, ça voulait dire beaucoup de choses et je me suis rendu compte que je me faisais arnaquer déjà par les filles alors que j'étais pas encore un adulte, quoi. Et c'est vrai que pendant toute mon adolescence, moi, toutes mes premières fois, entre guillemets, j'ai eu un peu ce goût de... C'est magique et en même temps, je sens que c'est magique que pour moi, quoi. Donc, tu étais malheureux? Pas malheureux parce que j'ai eu... Enfin, tu vois, il y a des jeunes qui n'ont pas la chance de pécho des meufs, de vivre une adolescence où t'as une petite copine et tout ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ça, mais... À chaque fois, ça se terminait avec un goût tellement amer que je me disais finalement, il n'y a que moi qui étais heureux dans cette histoire, quoi. C'est beau, ça. T'es triste. C'est le décor qui m'inspire des phrases comme ça, je crois. Il est mélancolique. Et votre premier bisou? Ah, je m'en souviens. Il s'appelait Gérard. Excuse-moi, Danièle, mais c'est exceptionnel parce que aujourd'hui, si moi j'ai un de mes amis qui vient me voir, qui a 20 ans et qui me dit « Oh là, j'ai péché un mec qui s'appelle Gérard », dans ma tête, il a forcément 55 ans, quoi, tu vois. Alors qu'à l'époque, Gérard, c'était un nom de Jones, quoi. C'est ça, quel âge il avait, Gérard? Il devait avoir 15-16 ans. Ah, il y a des Gérards de 15 ans, ça existe? À l'époque. J'étais venue à travers champs, à travers les talus, le voir et puis on s'est abrité dans un coin de la carrière d'ardoise et puis voilà. Et il m'a mis la lampe. Là, j'ai pensé à ma mère, j'ai toujours pensé à maman. Bah, je faisais une cochonceté, donc il fallait faire... Une cochonceté? Ah bon, c'était plus qu'un bisou? Bah, avec la lampe. Ah. Mais non, mais là, c'est que vous croyez quoi, à ce moment-là? Je savais que c'était pas bien et que, dans ma tête, avec cette éducation très sévère de ma maman, j'ai eu peur, je me suis dit, je vais pas être enceinte, mais... Elle ne m'a jamais rien expliqué, ma maman. Elle ne m'a jamais dit le jour... D'abord, faire l'amour, ça n'existait pas pour maman. Elle l'a fait, mais la nuit de son mariage. Donc tout ce qui était avant, c'était des cochoncetés. Des cochoncetés, c'est joli. Il n'y a que maman qui dit ce mot. Et la première fois que vous faites l'amour? Allez, raconte-nous, Danièle, ça nous intéresse. Ben, j'avais... Mais t'es toujours dit que j'attendrais mes 18 ans. Alors j'ai attendu la nuit de mes 18 ans. C'est vrai? Oui. Il s'appelait Maurice. Ouais, non. Il s'appelait comment? Maurice. Maurice. Après GG, c'est Momo. Bah, j'en avais surtout 13 ans. C'est en noir et blanc. Votre première fois est en noir et blanc. C'était bien, mais j'avais peur. Oui. C'était l'époque où être enceinte avant le mariage, ou le mot avortement. Là, on était vraiment des putains. C'est peut-être une question bête, mais ça existait, les préservatifs? Oui, ça existait, ça. Ah oui! Oh, ce truc! On l'utilise pas? On le mettait... Ah, il y avait... Le capuchon, là, le... Oh là là, ça ressemblait... Ça sautait toujours au plafond. Vous essayez de le mettre... Avec Maurice? Avec Maurice. Mais non, ma maman m'avait pas éduquée en me disant qu'il y avait des préservatifs. C'était pas possible, donc je ne savais rien. Des cochoncetés. Et je ne savais rien. Et donc, ça sautait au plafond? Mais non, je le saurais ça plus tard. Mais j'ai dit non, et puis voilà. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai rencontré un Robert... Et Robert. Les trois prénoms, c'était quoi déjà? Le premier c'était quoi? Gérard, Maurice et Robert. Voilà. Non mais aujourd'hui, t'as 15 ans, tu dis « Eh, viens, on va à la soirée de Gérard, Maurice et Robert !» Personne vient, quoi. Personne ne vient à la soirée. Et donc, première fois qu'on fait l'amour, vous avez eu très peur ou c'était cool? Peur, non, j'avais pas peur, mais j'avais un peu la pression, quoi. Parce que t'allais, tu sais, ce qui est dingue, c'est que la première fois que je l'ai fait, je crois que... je me suis plus posé la question de ce que les autres allaient penser, de ce que j'allais raconter, que elle, ce qu'elle pensait, quoi. Tu vois, j'étais dans un truc de... Et c'est vrai qu'au début, c'était vraiment très... C'était pour les potes, quoi. Je faisais ça, tu vois, pour amener ça un peu à ton époque, Danièle, tu vois, je rentrais, je disais « Allez, c'est bon, j'ai attrapé Huguette, alors !» Bam ! Et tu l'as répété tout de suite? Ouais. Ah ouais. Mais j'avais pas fini que j'appelais « C'est bon ! C'est bon !» Franck, je rêve, vous n'avez pas raconté la première fois que vous avez fait l'amour? Non, je n'ai pas raconté. Bon souvenir ou mauvais souvenir? Bon, toujours un peu la pression, parce que c'est vrai que si on remonte à l'époque, on n'avait pas vraiment le mode d'emploi. C'est pas les parents qui allaient nous expliquer. Il n'y avait pas de film à la télé, donc il fallait un peu imaginer. Et c'est vrai on se dit, est-ce qu'on a été bon? Il y a souvent des mecs qui se le disent encore toute la vie. Moi, j'ai demandé, hein. Moi, j'ai toujours demandé. J'ai toujours eu l'impression que c'était comme rentrer sur scène et j'avais besoin de demander au public qu'est-ce qu'ils en avaient pensé, tu vois. Je te jure. Et donc, je sais que il y a des filles, je les ai déçues totalement, je le sais. Je me rappelle d'une fille, je lui ai dit alors... elle me dit, je comprends pourquoi tu fais du spectacle. Elle me dit, alors, moi, je prends ça pour un compliment, tu vois, je lui dis, eh ouais. Beaucoup de sensations. Hein. Elle me dit non, tu m'as beaucoup fait rire. C'est vrai ça? C'est énorme. C'est vrai. Elle a le sens de la réplique. Et puis depuis, bon, disons que je suis passé à Broadway, quoi. Nom de Juice. Oh là là, le héros. Oh là là. La base. Ouah! Moi, je crois qu'on fait un gratin, un crumble, tout le monde est content, non? Est-ce que tu peux me raconter ton premier chignon? C'est pas une phrase qu'on prononce souvent dans une vie. Hein. Elle est géniale, cette phrase. Ouais, je vais te dire. Alors, toute la difficulté, quand tu débutes la coiffure, c'est de bien crêper de façon à ce que le cheveu tienne en hauteur. Et après, tu rabats le truc dessus pour pas voir ce crépage, quoi. Mais attendez, votre premier concours, parce qu'on rappelle que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous appelez pas encore Franck Provost, d'accord? Vous n'avez pas des salons partout dans le monde, vous êtes un petit coiffeur. C'est vrai que je m'appelais pas Franck Provost. Et quel est ton vrai nom? Mon vrai prénom, c'est Yvon. Et Yvon, c'est le timide. Et Yvon, c'est le timide. Garde Franck Provost, hein. C'est ce que j'ai fait. Mais, et ton nom de famille, c'est Provost? Provost, ah oui, oui. Non, mais... Parce que je commence ma carrière, je m'appelle Yvon, et je rentre dans un salon où il y a une trentaine de collaborateurs, et le patron s'appelle Yvan. Donc on dit, il faut changer de prénom, et donc là, les filles du salon disent, tiens, Franck, ça serait bien, il n'y a pas de Franck dans le salon. C'est les collaborateurs qui choisissent, c'est pas vous? Non, mais non, enfin si, on propose Franck, est-ce que ça vous ennuie de vous appeler Franck? Moi, je dis non. C'est génial. Dans aucun métier, on te fait ça. Jamais. Nous, dans nos métiers... Dans la coiffure, oui. Ah oui, oui. Quand on vous appelle Yvon et quand on appelle Franck, on n'appelle pas la même personne. Ouais. C'est-à-dire je trouve que d'abord, parce que je pense que Franck, c'est beaucoup plus tonique. Regarde Franck Ribéry. Tonique, hein. Tonique. Oui, oui. Alors, Juste, je voudrais qu'on comprenne, avant de parler effectivement d'un empire que vous allez construire, c'est comment on passe donc de petits employés qui gagnent des compétitions, donc qui commencent à prendre confiance en lui, et à quel moment vous prenez la décision d'ouvrir votre premier salon? Moi, par exemple, bon, j'avais pas d'argent, et j'ai repris une affaire qui était quasiment fermée, quoi, qui marchait pas du tout. Il n'y a pas de clientèle. Il n'y a pas de clientèle. C'était à Saint-Germain-en-Laye. Hein. Quand j'ai ouvert mon premier salon, je m'appelais Franck Provost déjà depuis 5 ans. D'accord. Et ça vous allait bien, ça sonnait bien, Franck Voilà. Attends, avant de continuer, comment ça marche, ça? Je ne sais pas le... Il faut que ça fasse 1,5 mm. Voilà, on mange le gratin de Jacques Martin, goûté par François Mitterrand. Hein, donc c'est hyper précis. Mais alors, est-ce que le gratin que le président il a mangé, tu l'avais écrasé aussi avec les doigts comme ça? Oui. Ah ouais? Attendez, François Mitterrand... François Mitterrand, il a eu un peu de tes doigts dans la bouche, quoi. Ça sent les doigts, ça me fait très peur. Ouais. Oh là là. Comment on pourrait faire? Bon, ben, pas plus gros. Ça y est. Ça y est. Vous êtes coupé? Oui. Oh, pardon. Alors là, Franck Provost qui s'est blessé au doigt, les amis, je peux vous dire, il y avait plus d'une femme qui est en train de pleurer en ce moment. Mais comment il va créer mon nouveau shampoing? Il faut que je me mette à un endroit où je peux le faire. Ou alors vous le faites. Non, mais attends, on va changer. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse quand même, pour que je comprenne un peu, parce qu'il y a des millions de gens qui rêvent de monter leur affaire, c'est quand même une prise de risque. Donc, cette prise de risque, vous la prenez avec quel état d'esprit? Parce que vous n'avez pas d'argent, il faut emprunter, c'est ça? En fait, j'ai la chance, c'est mon beau-frère qui me prête l'argent. Et c'est vrai qu'on se sent un devoir hein, de réussir, parce que non seulement vous vous mettez en danger, mais vous mettez en danger les autres, donc c'est... Quelqu'un de votre famille, ouais. C'est pas une banque anonyme. Non. Ah. Bonjour, monsieur médecin urgentiste. On m'appelait pour un certain monsieur Yvon, c'est vous? Ah non, il est pas là. Il est pas là? Il est pas là, Yvon. Mais... Tenez. Kev, je suis sûr qu'il va le rajouter dans un spectacle. J'ai mis un pansement à Franck Provost. Il m'a même pas offert une coupe de cheveux, le salopard. Voilà le résultat. Pendant qu'il vous soigne, donc ce que je veux comprendre, c'est ce fameux... Donc vous dites, je crée ce premier salon, je prends plein de risques, avec l'argent qui est celui de mon beau-frère, donc là, il y a de l'affect en plus. Mais c'est vrai que je suis reconnaissant à ma sœur et à lui qui m'ont vraiment... qui ont cru en moi, quoi, parce que c'était pas évident. Hein. Et donc je prends cette affaire qui fonctionne pas. Et donc je me souviens, c'était des tapisseries avec des grosses fleurs. Des grosses fleurs. Et donc le week-end, hein, avec des copains, on repeint tout en blanc sur la tapisserie pour aller plus vite, donc pour donner un côté un peu plus moderne. Et puis, donc le mardi, j'ouvre le salon. Est-ce qu'il y a un concept particulier derrière ce premier salon? Ce qui est très important, parce qu'il faut se rappeler, c'est Saint-Germain-en-Laye, donc la banlieue de la banlieue chic parisienne, pour ceux qui ne vivent pas dans le coin. Voilà, de Paris. Mais banlieue, ça veut dire que les salons fermés, enfin les magasins même, plus que les salons, fermés à l'heure du déjeuner, midi, 14h30. Donc moi, je décide déjà de faire une journée continue. On est en quelle année, là? 75. Donc là, c'est une révolution à l'époque. Et de ne pas prendre de rendez-vous. On vient sans rendez-vous. Et le salon fonctionne très rapidement. Très rapidement. Tout de suite. Hein. Je me dis, t'as un salon qui fonctionne bien, et tout, Saint-Germain-en-Laye, je fais des pubs, machin, tout. Et la presse, personne ne vient me voir. Et oui, parce que j'ai envie d'être reconnu. Parce qu'on rappelle que quand vous choisissez acteur, il y a une chance que vous deveniez célèbre. Quand vous choisissez coiffeur, il y a peu de chances que tout le monde connaisse votre nom, quand même. Oui. Mais enfin, il y avait déjà des coiffeurs connus, comme Jean-Louis David. Il y avait Jacques Dessange, c'était cette époque. Jean-Louis David, oui. C'est plus... Oui. Et je me dis... Moi aussi. Pourquoi pas moi, quoi. C'est énorme. Donc, je monte mon deuxième salon à Paris. Avenue Franklin Roosevelt. Et ça, c'est compliqué, j'imagine, un deuxième. Très compliqué. Mon premier fonctionnait, mais pour que le deuxième fonctionne, il fallait aussi que je sois là. Et je ne pouvais pas perdre le premier parce qu'il fallait que je rembourse et que ça fonctionne. Donc, et c'est là où j'ai eu l'idée, je prends mes meilleurs coiffeurs et je les associe dans d'autres salons, donc ils n'amènent pas d'argent du tout. Et vous leur proposez d'être associés? D'être associés. On monte un nouveau salon et avec leurs résultats, je leur donnais jusqu'à 49% des parts. Et j'ai fait ça pour les 20 premiers salons. Ça, c'est une idée de génie ou pas? C'est exceptionnel. Et là, je vois toujours le Jean-Louis David de Sange devant moi et ça commence à m'énerver. Et je me dis, je vais ouvrir à la franchise parce que sinon, je ne peux pas communiquer. Bon, on va voir tout à l'heure pendant le dîner, j'espère que vous nous raconterez comment, justement, on devient connu du grand public, parce qu'en France, aujourd'hui, tout le monde connaît votre nom, comment on conquiert le monde, comment on devient le coiffeur de Sharon Stone. Nous raconterons ça tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais que vous nous racontiez l'un et l'autre la suite de votre histoire. Danièle Evenou, on a dit tout à l'heure que voilà, vous mentez à votre maman. Oui, je vais prendre des cours de dactylo. En fait, vous commencez à vous approcher du monde du théâtre. Ça démarre par quoi? Par des cours, par comment ça se fait? Le théâtre rentre dans votre vie comment, de manière très concrète? Le théâtre des arts recherche une tragédienne. C'est moi? Je me suis dit, c'est moi. C'était une pièce nulle et d'un auteur nul, avec des acteurs, enfin moi, et j'y suis allée, et j'ai eu le rôle. Et j'ai eu le rôle, je me souviens, il y avait une comédienne qui s'appelait Suzanne Guenel, elle devait mourir, transpercée. Et elle disait, je suis morte, je suis morte. Et elle tombait, et une fois qu'elle était morte, elle s'arrangeait la robe. Je me dis, c'est ça ce métier? Et moi, j'étais à peu près nue. Alors, on m'avait déjà pas... Ça y est, je commence à percer. On me met nue, on me peint le corps. C'était bien. Oui, mais j'avais un rôle et papa est venu. Mais vous êtes... Alors, votre père vous voit nue sur scène? Oui, mais à ce moment-là, j'ai tenté le conservatoire d'art dramatique. Et à l'époque, nous étions 280 à nous présenter. J'ai pris des cours, j'y suis allée. Le premier tour, je l'ai eu. Le deuxième... Et j'ai été prise. On était, je crois, 17 ou 18 donc sur... Donc vous avez fait le conservatoire 17 ou 18 sur 280. La troisième année, à l'époque, ça y était, le concours allait arriver. On me propose le rôle principal d'un film. Avec Jean Marais, en Sicile. Immense star. Jean-Yann, Dario Moreno. Alors je vais voir les professeurs au conservatoire et je leur dis, s'il vous plaît, je voudrais avoir une permission. Il faut demander un papier d'1 an pour recommencer l'année suivante. Ils me disent non, 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 non. Et le conservatoire dit non? Oui, parce qu'il fallait une année. Quand tu fais le conservatoire, t'as pas le droit de tourner en même temps que tu fais le conservatoire. Voilà, il faut demander une année de congé. Et là, ils me l'ont refusé. Et à la grande joie de maman, puisque j'avais le rôle principal avec Jean Marais. Donc là, ça faisait sérieux. Ah, là, elle vous croit, elle est rassurée. Il y avait Dario Moreno, ça choquait un peu maman. Parce qu'il avait une voiture rose, et sa maman ne comprenait pas pourquoi il avait une voiture rose. Voilà, bon, c'était Dario Moreno, vous vous souvenez de Dario Moreno? Et puis après, bon, j'ai enchaîné avec le rôle d'une muette pendant 52 épisodes, front couverte. Alors, attendez, on va voir un extrait. Sérieux? Venez regarder. Tu veux me voir en muette? Ah bah ouais. Donc là, c'est quoi? C'est votre deuxième rôle? Oui, et il n'y avait qu'une chaîne à l'époque. Elle est mimi, hein? Et je suis nue sous mon haillon. Je suis nue sous mon haillon. Petit air de Sophie Marceau. Saint-Georges. Je voyais qu'elle était muette. Ne réveillez pas le grand-père. C'était très joli. Où allez-vous? Fond couverte. C'est pour vous envoyer un cliché. Où est-ce exactement, fond couverte? Les seuls mots que je dis pendant 52 épisodes. Vous avez quel âge, là? J'ai 19 ans. Vous êtes plus jeune que Kev. Ouais. Mais pas de beaucoup. Je t'aurais pécho grave. Grave. Attendez, parce qu'il y a... Attends, tu peux me trouver du sel et du poivre? Du sel et du poivre. S'il te plaît, voilà. Alors moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que je savais pas que vous aviez vécu 2 ans avec Jacques Brel. Donc là, je repense à votre maman, encore une fois, qui dit c'est pas pour nous. Comment vous rencontrez Jacques Brel? Et comment il tombe amoureux de vous? Il cherchait, il venait de tourner un film avec André Cayatte, avec un ami en commun, Paul Andréota, qui m'écrira plus tard Marie-Pervenche. Et ils sont en train de dîner avec mes amis Paul et Manuela. Et puis Brel lui dit, écoute, on s'est bien entendu, je vais faire un film, mon premier film, que je vais réaliser. Je vais faire le rôle principal. Barbara jouera l'autre rôle, Barbara. Et déjà, Jacques Brel est déjà un monument. Ah oui, il avait arrêté l'Olympia. Et à ce moment-là, Paul Andréota dit... Ça t'ennuie pas, Jacques? J'ai une amie qui passe à la télévision, c'est Danièle Evenou, et je voudrais bien la voir parce qu'elle fait un téléfilm. Il regarde ce téléfilm et Brel dit, mais c'est elle? Comment ça, elle? Mais c'est elle le personnage. À la fin du téléfilm, moi je suis chez moi, et mon téléphone sonne, c'est Paul Andréota. Ma chérie, on t'a vu, c'est bien, ne quitte pas, je te passe Jacques Brel. Alors là, il me dit, vous êtes le personnage du film qu'on est en train d'écrire. Le lendemain, je l'ai vu, j'ai eu le rôle, et je suis partie vivre 2 mois à Blankenberg, où, ça entre Ostende et Knoklozouk. Voilà. Et je tremble, je suis avec mes 2 idoles, Brel et Barbara. Et il pleut. Alors nous sommes toutes les deux, comme ça, à la ciré blanc. Et puis on est là, on attend qu'il arrête de pleuvoir. Et d'un coup, elle fait. Car elle est de Tunisie, mes hommes. Marseille, Tours, le Midi, mes hommes. Ils marchent, lolololololol, mes hommes. Car et là, je la regarde et elle voit que je pleure. Mais pourquoi tu pleures, petite Evenou? Je dis parce que. Petite Evenou, on serait dans le Seigneur des Anneaux. Parce que Gandalf m'a demandé d'aller au-delà de la montagne. Et là, elle me dit pourquoi? Je dis parce que vous parlez de Marseille et mon amoureux, ben, il est en tôle au Baumette. Elle était géniale. Elle dit, car ils viennent de Tunisie, mes hommes, Bordeaux, Toulon le Midi, mes hommes. Elle avait changé de ville. Et au bout de 48 heures, elle a voulu me consoler. Pour plus que je pense à mon amoureux qui était en prison au Baumette, elle a dit à Jacques Brel, un soir, de m'emmener à un concours une bataille de coqs. Donc on arrive, je veux pas voir la bataille de coqs qui se coquise. Voilà. Qui se coquise. Et au retour, il avait une Jaguar. Il m'a dit, qu'aimes-tu comme musique? Alors, je n'allais pas dire du Brel. J'ai dit du Wagner, le vaisseau fantôme, miracle. Il appuie sur un petit truc. Il y avait la musique dans toute la voiture. Wagner, bam, le vaisseau fantôme. Il devait le savoir. Et voilà. La magie. Oh, et voilà, on est un peu frustré. Ouais, et voilà, bah, c'est tout. Et bah, j'ai plus dormi toute seule. Tu me passes le gruyère, c'est tout. La diva, c'est énorme. Attends, excuse-moi, Danièle, mais il t'a dit, c'est quoi ta musique préférée? Tu lui as dit... du Wagner. Wagner, Vaisseau Fantôme. Il a mis Wagner, Vaisseau Fantôme. Bam, il tapait hoche. J'adore comme tu t'exprimes. Mais tapé, oui, parce que Barbara avait dû lui dire... Enfin, moi, Brel, l'image que j'ai de lui, je sais que c'était une immense star, mais il n'était pas super beau gosse non plus, de base. Il était un peu... Si? Oula, tu me regardes avec des yeux de « je vais te rentrer le sel dans la gueule ». Mais je voudrais d'abord saler ce gratin. En salant le gratin, expliquez-nous ce qui vous séduit chez lui. C'était un amour. C'était quelqu'un de bien, de mignon. On avait envie de le protéger. Je suis désolée, moi j'adore protéger les... Protège-moi, Danièle. C'est une belle histoire. Ouais. Et j'ai vécu une grande histoire. Et franchement, Danièle, t'as pécho une tonne de mecs dans ta vie, quand même. Mais j'ai aussi des inconnus, arrête-toi. Sans déconner, t'as pécho à mort. Bon, on enlève pas beaucoup. Et je peux te dire que ta maman, qui disait... Oh. Non, mais attends, qui disait la catin, t'as rien d'une catin. T'as pécho les mecs les plus puissants de l'époque, sans déconner. Mais... C'est pas les catins, ça, hein, ça s'appelle les femmes de... Mais tu m'as vu comme j'étais mignonne. Mais t'étais magnifique. Bah alors? Magnifique, on dirait... On dirait toi, quoi. Un nouveau couple se forme. Donc, le petit Kev Adams, on l'a quitté tout à l'heure. Il avait été refusé dans 200 castings. Et à quel moment vous vous mettez à écrire, en fait? Moi, j'ai toujours été les rigolos de la bande. Je me suis toujours réfugié dans l'humour parce que j'ai jamais eu le physique pour moi quand j'étais plus jeune. Entre la période du film qu'on a vu tout à l'heure et la période de maintenant, j'ai eu ce qu'on appelle l'adolescence difficile. C'est-à-dire? Bah, les boutons, les cheveux, pire que ça. Parce que vous en parlez souvent des cheveux. Nous, on trouve ça sympathique, mais vous, ça vous a traumatisé. Mais ça a été un traumatisme, parce qu'aujourd'hui, vous trouvez ça sympathique, parce que j'en joue et je l'assume, mais pendant longtemps, je ne l'ai pas assumé, pendant longtemps, je l'ai mal vécu, et pendant longtemps... Attendez, on parle devant le plus grand coiffeur du monde, donc qu'est-ce que vous n'avez pas assumé? On parle de ces cheveux-là, hein, gros complexe. Bah, je crois que les cheveux... Moi, je trouve que... Allez, oui, alors attendez, Franck Provost, qu'est-ce que vous pensez? L'avis de Franck Provost sur la coiffure auprès de tous ces gens. Je trouve que, justement, tu étais différent des autres. Et il faut que tu restes différent. Donc toi, si demain, sérieusement, je viens dans un de tes salons et que je te dis « Franck, aide-moi, qu'est-ce que tu me ferais », tu me dirais « reste comme ça ». Ah oui, oui. T'es une star, maintenant. Ah, c'est beau. Ça a du poids, hein. Tous ceux qui sont foutus de ma gueule de mes cheveux, dans votre tronche. Avec les castings qui t'ont refusé. Et la vie, comme si un jour, on vous avait dit dans une cuisine Franck Provost en personne, il me le dira que c'est bien. Ne change rien. Alors parce que justement, qu'on comprend le traumatisme, donc ils vous disent quoi les gens? Traumatisme parce que j'y avais pas que les cheveux. En plein pic de l'adolescence, j'étais très boutonneux. À 14 ans, c'était l'horreur. Ma mère, elle m'a dit, ne t'inquiète pas, ça va passer. Moi aussi, j'en ai eu beaucoup. Dans la famille, on en a beaucoup. Ça va passer. J'ai dit, ok, j'ai fait confiance. À 15 ans, j'en avais pire que jamais. Je lui ai dit, à un moment donné, j'étais ma mère, je dis, jusqu'à quand? C'est passager, jusqu'à quand? À 16 ans, l'horreur, l'horreur. Du pu, des trucs, mais ah non, mais oui. Ah mais oui, du gratin dauphinois sur la tronche, Daniel. Et très rapidement, j'avais que la vanne pour m'en sortir. Vers 15-16 ans, je commence à écrire des vannes. Pas du tout dans l'esprit de monter sur scène, mais dans un esprit réellement de me dire, c'est bon ça. Si j'ai toujours une ou deux vannes sous la main à sortir dans n'importe quelle situation, pour les meufs, ça va être bon. Pour les potes, ça va être bon. Je vais prendre en ampleur, je vais devenir un mec sympa et drôle avec qui il faut être, tu vois. Donc j'avais envie de ça. Et je commence à écrire des vannes. Et un jour, je joue un premier truc, tu vois. Je commence à jouer des premiers trucs, mais je sais pas ce que je parle. Vous jouez où? Dans la chambre? Je joue dans mon salon. On peut regarder? Bah oui, venez voir. Ah, bien. Et on regarde, c'est filmé, vous avez... Je suis en première, j'ai 16 ans et demi. Et mon petit frère, ma grand-mère n'a pas compris ce qu'il faisait, et il faisait quelque chose que beaucoup de jeunes font aujourd'hui en France, et qui me touche au plus profond du cœur. Ça s'appelle la tectonique. Et mon frère, hélas, il a été pris par ce symptôme, et donc il est dans la cuisine, et ma grand-mère vient me voir, elle me fait « Qu'est-ce qu'il y a, mamie ?»« Non, mamie, il est malade. Il est très bizarre, hein ?» Je fais « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle me fait « Il n'y a jamais eu de mouche dans ma cuisine depuis 40 ans, il est comme ça depuis tout à l'heure. » Énorme, 16 ans dans son salon. Ça me met très mal à l'aise dans la... Alors pourquoi vous vous sentez de la gêne alors? Je sens de la gêne aujourd'hui parce que déjà c'est très mauvais, c'est très mal fait. Tu sens, que je... Oui, c'est mon jugement, mais tu sens que je suis mal à l'aise, c'est dans la manière de... Et puis même la manière que j'ai de parler et tout, c'est pas moi, quoi. Mais là, vous jugez en professionnel. Oui, mais ça a été 30 minutes où j'étais dans mon salon face à 5 potes qui se marraient, comme des potes de temps en temps. Sauf que moi, pour moi, c'était le zénith déjà. Mais vraiment, moi, j'avais mes 30 minutes. Il fait des zéniths aujourd'hui, donc là, vous viviez le zénith avec... Mais moi, pour moi, j'avais mes 30 minutes. Quand je lui ai dit, t'installes la caméra, je m'en rappelle comme si c'était hier, je lui ai dit, t'installes la caméra, parce que la vidéo, je l'envoie à Gad et à Jamel. Mon pote, il me dit, ouais. Il m'a même dit, tu sais quoi, je t'ai mis une cassette DV, mais c'est facile, on peut mettre ça sur l'ordi. Dès que t'as le mail de Gad, on lui envoie dans la foulée. Tu vois? Je rappelle que vous ne connaissez personne dans le métier. Personne! J'y crois, moi. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de mettre en application ça? On fait cette vidéo, je la montre à ma mère, toujours ma mère. Génial, t'es super. Je la montre à mon père. Et mon père, il me dit, c'est pas marrant. Il me dit, écoute, je suis ton père et je pense que tu peux faire mieux. Je vais à Neuilly, la ville où j'habite, et je vais à la maison des jeunes et de la culture. Je vois un prof de théâtre, je dis, tu peux me prêter la salle un soir? Tu vois, je te prête la salle. Elle me prête la salle. Et là, je fais un nouveau sketch, totalement nouveau. Mes potes, ils rient un peu plus. Ouais. Je monte ça à ma mère. Elle me dit, c'est génial, quelle évolution déjà depuis ton salon. Ouais. Je monte ça à mon père. Il me dit, c'est pas bien. Je pense que tu peux faire encore mieux que ça. Je pense qu'on est encore un peu léger. Et quand il me dit « je pense qu'on est encore un peu léger », pour moi, c'est comme s'il me dit « je pense que t'es une grosse, grosse merde ». Ah mais c'est comme ça que je le prends à ce moment-là, tu vois. Et dans ma tête, je deviens dingue. Je me dis « mais dans quoi je me suis lancé? C'est pas possible, c'est pas ça mon truc. C'est qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est n'importe quoi. » Je travaille. Je prends quand même la deuxième vidéo que j'ai filmée au théâtre et je vais devant l'Olympia avec et j'attends Gad Elmaleh. Et non, j'ai oublié de raconter un truc, c'est que j'avais réussi à me débrouiller la veille. J'avais été avec ma copine en lui disant « T'inquiète pas, je vais nous faire rentrer dans la loge de Gad Elmaleh. » Elle m'avait dit « Jamais de la vie. » Je tchatche le videur. « Non, c'est impossible, vous pouvez pas rentrer, monsieur Elmaleh se repose, etc. » Je suis avec ma copine, monsieur, vous allez me foutre la honte. Soyez sympa, faites un effort et tout ça. J'arrive à la rencontrer une première fois, dans sa loge. Il me fait descendre, truc, et je lui dis « J'ai une vidéo à te donner. Est-ce que je pourrais revenir ?» Il me dit « Tu reviens quand tu veux avec ta vidéo. » Donc, je reviens à mon histoire. J'attends avec le CD devant l'Olympia. Il y a un videur qui sort qui dit « Vous attendez qui ?» Je dis « Bah, j'attends Gad. Gad, mon pote. » Il dit « Ouais, ok, mais en fait, il va pas arriver tout de suite. Si t'as un truc à lui donner, donne-le-moi. » Ok, bah tiens, je te le donne, mais vraiment donne-lui en main propre. Je marche dans la rue qui longe l'Olympia et il arrive, lui avec son père. « Hey, comment vas-tu » etc. Gad Elmaleh, ouais, il vous reconnaît. Hyper cool, il me reconnaît. « J'ai donné le CD, machin, j'attends de tes nouvelles, etc. etc. » Il n'y a pas de problème, on se tient au courant. J'attends des nouvelles. J'en aurais pas, malheureusement. Mais avec du recul, cette vidéo, elle était pas bonne. Et moi, j'y avais été au culot, un truc de malade. Je lui avais dit, écoute, je suis prêt à faire toutes tes premières parties. C'est génial. Vous n'avez rien fait de votre vie. Ah non, et là, vous allez voir la plus grande star comique en France. Je suis prêt à faire toutes tes premières parties. J'ai entendu que tu bossais sur un film. Je veux bien être dedans. Donc, le gars, ça fait quand même, à ce moment-là, et avec du recul, je le reconnais, ça fait vachement le gamin qui se prend pas pour de la merde, quoi, alors qu'il a fait 3 sketchs devant ses potes, quoi. Je laisse tomber l'histoire, on est en 2009, je fais des scènes ouvertes, et je suis tout le temps en recherche de comment je vais me démarquer, comment je vais être le meilleur. Je commence à mettre des t-shirts avec écrit « I love ma mère »,« I love mon père »,« I love ma sœur ». Et un jour, je mets « I love Kev Adams ». Et je sors, tout le monde connaît mon nom. Les gens sortent et disent « Machin, t'étais marrant, toi c'était... Hey, Kev !» Moyen, mais bien ouais. Et tout le monde connaît. Et je me dis, c'est incroyable. Vous faites du marketing intuitif. Je suis passé 5 minutes sur une scène, on est 25 à être passés. Les gens, ils se rappellent d'un nom, c'est le mien. Pourquoi? Un mec qui était là avec moi qui me dit, c'est tout con, ton nom, il était écrit dans leur gueule pendant 5 minutes. Il sait se vendre. C'est beau. Pourquoi vous avez envie de l'embrasser? Tu sais pourquoi? Elle veut me pécho. Non, pourquoi, Daniel? Mais il est fabuleux, il en veut. Vous avez le sentiment que vous pouvez faire la différence en parlant de votre génération? Je pense pas à ça. C'est ça qui est assez dingue, c'est que je pense pas à ça. Je pense à un truc. J'avais rencontré une femme quand j'ai commencé à faire des scènes ouvertes qui me dit « T'as quel âge, toi ?» Bah, j'ai 16 ans et demi, je vais avoir 17 ans. Elle me dit « Tu veux que je te donne un bon conseil, mon gamin? Vis. Va, passe ton bac, fais tes études et vis un peu. Et après, tu auras des choses du quotidien à nous raconter. Mais aujourd'hui, tu vas nous raconter ta vie d'ado, tout le monde s'en fout, tu vois. » Elle m'a foutu les boules, cette meuf. Je lui ai dit, tu vas voir que je vais parler de ma vie, d'aujourd'hui, de mes profs, de mes galères, de mes copines et de mes parents, et que ça va quand même toucher les gens. Idole d'une génération entière. Pour clôturer cette partie-là, le jour où Gad m'invite à faire sa première partie au Palais des Sports, c'est le même spectacle sur lequel j'ai été au tout début, sauf que c'est la fin. Il a commencé à l'Olympia, il termine au Palais des Sports. Moi, j'avais été au début devant l'Olympia avec mon CD et je me retrouve un mercredi soir au Palais des Sports, 5000 personnes à faire la première partie. Lui qui vient me checker, vas-y mon pote, éclate-les. Je monte sur scène, triomphe, je sors et mon père, il me dit, tu vois, j'ai raison, à l'époque, tu pouvais faire mieux. Ah, magnifique histoire, magnifique histoire. C'est magnifique ce gratin. Et tu sais que t'es très jolie à regarder quand tu fais ça aussi, hein. Il y en a partout, hein. Et un peu de crème fraîche. Un peu de crème fraîche et de la tendresse, on n'en parle plus. Un baiser. Allez au four. Bon, bah j'y vais, hein. Allez au four. Voilà. Eh ben, dans 3 heures, il sera cuit. Non. Non, si. Alors, je vous explique, les copains. Oui. Alors, les salades surprises. J'ai fait 2 salades. Oui. Celle-là, je l'ai surnommée la salade 4 couleurs, parce qu'il y a plein de couleurs. Il y a que des crudités. Et là, c'est une salade que j'ai appelée la salade fromagère, où il y a de la mâche, de la tomate, du parmesan et de la mozza, tout simplement. Magnifique. Voilà. Magnifique. Et bon appétit. Merci. Tu vas te recycler. Hein. Alors. De te voir tout à l'heure comme ça, mais c'est nul. Je suis comme une môme qui regarde la télé, tu vois. Tu es, vraiment, tu es un bonheur à. C'est un gentil monsieur. C'est un gentil, et ça, j'adore les gens gentils. Mais ça se voit. Je suis sûre que t'as pas maltraité tes employés. Je crois pas. Bah, il leur donne 49%. Bah oui. Et bon, Danièle, on était en train de parler. De vous, de vos débuts de comédienne, malgré les préjugés, malgré votre famille, malgré les conditions, vos conditions sociales d'origine, votre côté modeste. Et puis, à un moment donné, ça se passe très très bien, vous tournez avec Jean Marais, vous vous retrouvez dans une série où il n'y a qu'une chaîne et vous êtes l'héroïne, etc. Et puis, vous rencontrez Jacques Martin. Vous passez combien d'années ensemble? 7 ans. 7 ans, vous faites 2 enfants. Oui. Mais c'est une période pendant laquelle vous ne travaillez pas. Pourquoi? Je faisais une grave dépression nerveuse lorsque j'ai rencontré. À ce moment-là? Et oui, j'avais des petits soucis. Et puis un jour, il a jeté tous les médicaments. Et dans les médicaments, il y avait la pilule. Eh bien, 9 mois plus tard, je mettais au monde mon fils aîné, Frédéric. Et là, Jacques n'a pas voulu du tout, mais du tout, que je travaille. Il a accepté. C'était quoi son argument? C'était quoi son argument? Il n'y a rien de plus beau que d'être maman. Et il faut que tu t'occupes de nous 3. C'est-à-dire, nous étions 3. Et Jacques cherchait du boulot à l'époque. Et puis le grand public découvre le petit rapporteur. Après, il y a... Le petit rapporteur est en 74, je crois. Ouais. Toi, gars. Énorme succès. Énorme succès. Et après, Marcel Julien vient un jour à la maison, il le supplie. Le patron de la chaîne de télévision. Un type extraordinaire qui supplie Jacques d'accepter tous les dimanches après-midi. Et il l'a fait. Et vous le voyez inventer l'école des fans? Ah oui, bien sûr. Et puis un jour, il vous appelle en catastrophe. Il manque un enfant. Amène le nôtre. Oui. Et c'était pour l'école des fans de Thierry Le Luron. Ouais. Et il n'y avait pas beaucoup d'enfants imitateurs. On va voir des images, là. Donc, il vous appelle, il dit quoi? Viens! Viens avec le petit. Dis lequel? Frédéric. Quoi? Lui, il imite très bien Giscard d'Estaing. Mais que soit-il. Il a quel âge, ce moment? Il a 7 ans, 6 ans. C'est dramatique. Il n'y a pas d'enfants qui sont imitateurs et il n'y a personne. Alors, je suis partie. Avec mon petit, sous le bras. Il était avec son papa, il ne pouvait pas avoir peur, même s'il ne le voyait pas beaucoup. Et il a fait l'école des fans. On regarde les images, donc c'est énorme parce qu'on vous voit dans le public. Génial. Et alors, nous allons accueillir maintenant le dernier candidat, Frédéric. Ah, c'est énorme quand on sait les coulisses. Frédéric, mesdames et messieurs, est le seul candidat que je traiterai différemment, et pour deux raisons. D'abord parce qu'on me dit, vous vous adressez toujours aux autres, et vous-même le feriez-vous. Donc la seule question que je ne puisse pas lui poser à Frédéric, c'est où est ton papa, pour l'excellente raison qu'il l'a à côté de lui. Les gens percutent à ce moment-là. Il y a Thierry. Alors, quant à sa maman, qui est comédienne, elle est juste là avec son petit frère. Bonjour madame. Voilà. La situation est énorme. Hein. Ouais. Alors, vous nous direz, c'est une famille de saltimbanques. Eh bien, bien sûr. Et si mon enfant choisit un jour ce métier, mais ça m'étonnerait parce que qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Deltaplane. Il veut être deltaplane, lui. Comment Thierry Le Luron imite le président de la République? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. C'est énorme, hein? Alors, il faut dire quand même que là, vous n'étiez plus ensemble à ce moment-là. Je suis partie, dès qu'il a eu tout ce succès à l'Empire, au théâtre de l'Empire, c'est-à-dire tous les dimanches après-midi, j'avais beau l'adorer. Je l'ai quitté alors que je l'aimais. Mais il n'était pas vivable. J'ai laissé la voiture. Je suis partie avec mes deux gosses, mes deux enfants. J'ai pris l'autobus. J'habitais à Neuilly pour être à côté de chez lui. Et un jour, il frappe à la maison. Il vise l'appartement que j'avais loué. 70 mètres carrés. Mignon. Il me dit, mais t'as pas de machine à laver la vaisselle, non? Bon, tu fais comment? Bah, j'ai mes mains. T'as pas de machine à laver le linge avec des enfants qui font encore pipi au lit? Bah, je dis, bah, c'est pas grave. Il me dit, rentre à la maison, parce qu'entre-temps, il y avait gouvernante, il y avait tout ce qu'il fallait. Rentre à la maison. Et il hurle. Je dis, mais Jacques, je vais quand même pas rentrer pour une machine à laver la vaisselle et à laver le linge. Tu mérites quand même mieux. Ça va pas se passer comme ça. Il hurle, parce que je l'avais quitté, je l'ai connu. Pas riche, je le quitte. Très riche. Il frappe la porte, il cogne, il pique une colère dans l'escalier. Et nous sommes tous les trois derrière la porte. Il y a Frédéric qui me tient la main, Jean-Baptiste qui est dans mes bras. Et là, Frédéric, et je l'en remercie, a dit, il me regarde et fait, maman, on a bien fait de partir. Waouh, la phrase. Quand on dit invivable, c'était quoi? C'est quelqu'un d'anxieux, quelqu'un d'aigri, quelqu'un d'irritable? Oui, quelqu'un de alors quoi? Là, un peu aigri, oh là là, je vais me faire des ennemis. Jacques aurait voulu être Molière, être Mozart, mais je dis sans méchanceté. Non, mais il a été ce qu'on connaît, mais en fait, lui, il rêvait de ça, quoi. Voilà. Il voulait être chanteur d'opéra, il voulait être Gene Kelly, il voulait... Il a été Jacques Martin, quand même. Et oui, et ben, alors... Le seul en France qui faisait tout le dimanche. C'est compliqué de... Il n'était pas heureux de ça. Et alors, 1983... Là, vous n'êtes plus avec Jacques Martin, qui ne veut pas que vous travailliez. Il se passe quelque chose de... Bah, tous les comédiens et toutes les comédiennes rêvent de vivre. Vous connaissez une popularité sans précédent. Il y a des personnages qui sont plus ou moins payants en popularité. Et là, on vous demande de jouer une contractuelle. Et c'est une idée dingue de rendre populaire un personnage qui ne l'est pas dans la vie. Bah oui, et comme Kev ne l'a pas vu à l'époque... Ah ouais. Donc, on regarde un petit extrait de Marie Pervenche. Carrément. Ah, ils ont beau jeu, les gangsters. Pourquoi ils se gêneraient, hein? Qu'est-ce qu'on leur repose, le flic de papa? 100 ans, voilà. Nous avons 100 ans de retard. Va voir en Amérique comment ça se passe. Ah oui. Seulement, voilà, moi, je vais te dire qu'ils le veuillent ou non. Je vais leur retrouver leur fondu. Non. Oui, et je leur apporterai sur un plateau. Parfaitement, sur un plateau. Or, rien que pour voir leur tête. Mais comment tu vas faire? J'ai ma petite idée là-dessus. Viens, on va faire un petit tour. C'est pas moi, je vous jure que c'est pas moi. C'est pas moi non plus, ouvre la porte. Allez, mets-toi au volant. Bye. Ça vous fait quoi de revoir ça? J'ai adoré. Je me souviens que Marie-Pierre-Vange, nous le tournions, donc c'était pas encore sorti à la télévision. Et elles étaient vraiment détestées. La preuve, il y a une caméra qui est en haut d'un immeuble, place du Trocadéro. Donc les caméras, on ne les voit pas, donc oui, on croit que ce sont des vrais contractuels. Et nous traversons toutes les quatre, toutes les cinq. Et il y a un type qui n'avait pas compris qu'on tournait, il n'avait rien vu, bien sûr. Il freine à 20 cm de nous, il ouvre sa fenêtre, fait « Oh là là, on écrase les six en même temps qu'elle rêve !» Et là, je me suis dit, si on arrive à faire un succès avec ça... Ah, purée. Ah oui, c'est prémonitoire, ça. Bon, et puis vous avez encore une autre vie, vous avez plusieurs vies en une. Vous avez rencontré quelqu'un qui était ministre. Eh oui. Eh oui, tu vas te dire. Eh oui. Non, mais ce qui me rend fou, c'est que... Fait que tu n'es pas sur la liste. Mais non, mais je me... tu vois, je t'ai tutoie depuis tout à l'heure, Danièle, alors que t'es une grande dame. Et tu sais pourquoi je te tutoie dès le début? Parce que t'es hyper simple, alors que... T'as tellement d'amour pour tous ces gens que t'as rencontrés. À chaque fois qu'elle te parle d'un homme, que ce soit Jacques Martin, que ce soit Jacques Brel, elle te dit « Et lui, c'est mon truc, et mon Jacques, et mon... » Comme si tout était hier. Et à chaque fois que tu rapportes un autre homme, hop, c'est mon machin. Tu sens qu'il y en a eu... Enfin, il a dû en avoir, je te demande pas ta vie privée, mais il y en a eu peu, j'ai l'impression, qui ont peu compté, quoi. Les hommes, ils comptaient vraiment dans ta vie, quoi. Oui. Georges Fillioud, 26 ans, c'est ça? 28. 28 ans. Ils sont restés 28 ans ensemble. Oui. Oui. Ah, d'accord. Oui. Mais 28 ans de... Vous êtes restés plus longtemps ensemble que je n'ai déjà vécu dans cette vie. C'est ça. Tu commences à m'énerver, hein. C'est une belle histoire. 28 ans d'amour fou. Nous sommes rencontrés un vendredi au MIP TV. Donc c'est un marché de la télévision, comme le festival de Cannes de la télé. Et le ministre passe, il repasse devant moi, et j'étais avec deux amis à lui, Pierre Bouteillet et Jean Bardin. Et je ne savais pas que c'était des amis à lui. Et là-dessus, Georges Fillioud s'approche de Pierre Bouteillet. Et il dit, quelle heure est-il? Et Bardin, Jean Bardin, se lève, prend une serviette de maître d'hôtel, il crache sur la serviette, et il cire les chaussures de Georges dans l'heure que vous voudrez, monsieur le ministre. Non. C'est une vanne. Oui, mais je le savais pas. J'ai mis son bar, ces trois-là. Le ministre. L'heure que vous voudrez. La réplique, elle est extraordinaire. C'est Bouteillé, Pierre. Et il est parti. Et 4 jours après, il m'a invité à dîner à la Gauloise. Il y avait beaucoup de journalistes dans ce restaurant, Michel Cotta, Denisot. Ces deux-là, c'est pas vrai, pas ces deux-là. C'est-à-dire? Bah, de voir Georges avec moi, c'était... C'est sur le papier. Deux tempéraments, enfin, le ministre et la comédienne, ça fait un peu vaudeville du début du siècle. Mm. Mais nous, on était... Puis il m'a dit, ce sera où tu veux, quand tu veux. Et 28 ans après, j'étais toujours là. Ce qu'on appelle une belle histoire d'amour. Voilà. Et je dis toujours que c'est le premier homme qui m'a quitté. Et je lui en veux. Mais bon. C'est un homme d'exception. Je te souhaite d'en rencontrer un comme ça. D'en rencontrer un être humain comme ça. Un être humain comme ça. Ah oui, c'était... Il a disparu de votre vie, donc... Enfin, voilà. Il est décédé il y a un an. Un an et quelques jours. Et il y a 4 mois, je me suis dit, allez, c'est fini, il faut arrêter de vivre. Ce qui est surprenant pour ceux qui me connaissent, parce que je suis le contraire de quelqu'un qui se plaint. Et il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours, et encore, et vraiment, je le confirme ce soir, je vais rassurer les miens, j'ai envie de vivre. Voilà. Mais on peut comprendre que parfois c'est dur. Je voyais Georges partout, je dis pourquoi il n'est pas avec moi? Pourquoi il n'est... Pourquoi? C'est d'une injustice. Et 28 ans avec un homme, c'est ça que vous voulez dire? 28 ans, mais de passion. On a dormi dans le même lit, même à l'hôpital, mon cher. On ne s'est jamais quitté. C'est fantastique. Elle en parle avec les yeux qui brillent, alors que ça a duré 28 ans. Moi, aujourd'hui, je sors avec une fille 3 mois, je lui dis « Allez, tu m'as saoulé. » Mais tous. Puis un jour, ça arrive. C'est une génération. C'est la grande histoire. Et alors, pour reparler de vos rêves, donc on vous a laissé tout à l'heure dans la cuisine en train de, voilà, de faire vos sketchs avec vos potes. Ensuite, vous faites les scènes ouvertes, où là, ça passe ou ça casse. La suite, c'est quoi, en fait? Je vais aller dans un petit café-théâtre qui s'appelle Le Pranzo à l'époque, qui est boulevard Bonne Nouvelle. Je deviens tout de suite très ami avec le propriétaire de ce café-théâtre qui me propose de venir jouer. Et je m'inscris à un concours qui s'appelle le concours à l'époque Paris fait sa comédie. Et la dame que je connais bien aujourd'hui me dit, je me rappelle toute ma vie, me dit « Vous êtes trop jeune, vous êtes trop frais, ça le fera pas. » Je laisse une année passer, de pranzo, de scène ouverte, de travail. Et je retourne à ce casting et je revois cette même dame l'année d'après. On m'appelle 2 jours après. Vous êtes sélectionné pour les 8e de finale. J'y vais, je fais le même sketch. Vous êtes sélectionné pour les quarts de finale. Je vais au quart de finale, je fais le même sketch. Et là, on m'appelle, on me dit, vous êtes sélectionné pour les demi-finales. Par contre, vous n'avez pas le droit de faire le même sketch qu'au quart de finale. À ce moment-là, moi, j'ai un sketch. C'est une massue qui me tombe sur la tête. Comment ça, j'ai pas le droit de faire le même sketch? Et je m'en rappellerai toute ma vie, c'est un moment... d'une force incroyable. Je vais au Pranzo, qui était devenu mon QG, quoi. Je suis avec Manu, le propriétaire, et 2 amis à moi. Ils m'ont dit, t'as bossé un autre sketch? J'ai dit, bien sûr, vous me connaissez, évidemment que je le fais. Je leur fais l'autre sketch sur scène, ils me regardent tous avec une tronche de non, ne va pas faire ça, ne fais pas ça, ça sert à rien. Et j'ai un de mes potes qui me dit, et je crois que je le remercierai toute ma vie, il me dit, tu sais quoi? T'as perdu de toute façon. Là, t'as perdu. Le sketch que tu nous as fait là, t'as perdu. Il me dit, perdu pour perdu. Va te faire plaisir. Ça veut dire quoi? Va improviser? Non, va faire le même sketch, celui que tu sais faire, celui que tu connais, et va les tuer, les 400 personnes. Il me chauffe à mort, j'arrive, 19h moins 10, et la dame du truc, elle me dit, tu as bien changé de sketch. Hein. Je compte sur toi, car tout le monde a joué le jeu ici, ce serait dommage que tu ne joues pas le jeu. Je monte sur scène, je leur fais au mot près le même qu'en quart de finale. Les publics dans la poche à la mort, les gens sont comme des dingues, je sors, et je rencontre une dame, une des dames du jury, qui vient me voir et qui me dit « Bonjour, je m'appelle Elisa, je travaille avec Anne Romanoff, je fais partie du jury. Pour ce qui est de la finale des jeunes talents, effectivement, tu pourras pas y être parce que, voilà, t'as pas respecté les règles. Par contre, Anne, elle fait une sorte de carte blanche à l'Olympia qui sera en direct sur Paris Première. Elle me dit « Par contre, c'est pas moi qui décide, c'est Anne. » Donc il va falloir que tu viennes. Je m'en rappellerai toute ma vie, je vais dans le 93, dans un hangar, il y a Anne Romanoff qui est assise, le metteur en scène à côté, ils me regardent les deux comme ça, il n'y a pas de public, il n'y a personne, et moi j'arrive. Elle me dit, Anne, qui est une grande bosseuse, elle est très exigeante, elle me dit, est-ce que tu as bien imprimé le texte de ton sketch au mot près? Je lui dis, oui, tout est là. Je lui pose le sketch, et je commence à faire mon sketch. Elle me regarde, elle sourit, elle est bienveillante, mais c'est pas le fou rire. Le metteur en scène, il se marre, mais c'est pas le fou rire. Les deux, ils me regardent. Je termine, je dis, bon, bah voilà, c'est la fin de mon sketch. Puis Anne, elle prend le papier comme ça, elle fait ça non et ça non. Voilà. Je dis ça non, ça veut dire le reste oui. Ça veut dire, c'est bon, je peux venir à l'Olympia? Ouais, c'est bon, je peux venir à l'Olympia. Énorme. J'ai 17 ans et je vais jouer mon sketch que j'ai vu dans toutes les scènes les plus underground de Paris à l'Olympia. Et j'ai commencé à faire parler de moi. J'ai joué pendant 1 an au Théâtre du Temple, mon spectacle, puisqu'entre temps j'ai écrit un spectacle d'1 heure que j'ai retravaillé. Et après, 1 an après, je suis arrivé au Palais des Glaces à Paris. Et Julien, mon attaché de presse, m'appelle et me dit il y a une nouvelle émission qui est organisée par Laurent Ruquier qui s'appelle On ne demande qu'à en rire. La première émission se tourne lundi prochain, ils sont intéressés pour ta voix. L'idée, parce qu'on rappelle que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Le concept, c'est les humoristes qui vont et qui se font noter. C'est un jury de gens du métier qui notent les jeunes humoristes. Et il y a une phrase d'un de mes potes à ce moment-là qui m'a marqué. Je dis mais vas-y, je suis qui moi pour qu'on aille me noter? Et mon gars, il me fait. T'es personne, et je vais te dire autre chose. T'es le mec le plus censé pour être noté. Je lui dis pourquoi? Le mec le plus quoi? T'es le mec le plus logique qu'on puisse noter. Il me dit pourquoi? Il me dit mais t'as 18 ans, mec. Si t'as 18 ans, tu sors de l'école. Les notes, tu les avais hier. Qu'est-ce que t'en as à foutre de les avoir demain? Je réfléchis, je gambère, je me dis c'est pas con ce qu'il me dit après tout. C'est vrai, une notation, quand j'avais un 4 sur 20 à l'école, je m'en foutais, ça gâchait pas ma journée. Pourquoi ça gâcherait ma journée? Pourquoi ça arrêterait mon truc? J'y vais. Je vais pas vous le cacher, j'y vais en me disant attends, les petits jeunes là, je vais les défoncer. Moi, ça fait 2 ans que je fais de la scène. Je vais leur montrer c'est quoi le niveau. Dans cette émission, il faut 60 points pour être qualifié, arriver et revenir la semaine d'après. Et je passe avec 62 points. Donc, pas du tout à la main. Je passe ric-rac. Et d'ailleurs, Ruquier le dit dans la première émission, il dit et Kev, ric-rac, mais on vous retrouvera quand même la semaine prochaine. Et voilà, et après, l'aventure a continué. La semaine d'après, ça a augmenté. Et je voyais ma salle se remplir au fur et à mesure. Et de toi-même, tu as arrêté? Oui. Tu l'as dit à Catherine Barma, oui. Ils en ont ras-le-bol. Je lui ai dit, je vais arrêter. Et elle l'a pas hyper bien pris, je comprends, parce que voilà, ils m'ont vraiment ouvert la porte et offert une très très belle opportunité. Donc j'ai essayé de tourner ça le mieux possible, mais j'ai arrêté cette émission au moment où j'avais plus rien à raconter. Donc vous passez à la télévision tous les soirs, la salle se remplit, le Palais des Glaces, et quel genre de spectacle vous jouez devant ces spectateurs tous les soirs, c'est ça. Il y a pas longtemps, j'ai vu un film américain avec Will Smith, et dedans Will Smith, il disait à son fils, « Tu sais, mon fils, il faut que tu vives chaque jour, comme si c'était le dernier. » Je me suis dit, « Waouh, mais c'est ça !» La journée d'après, je me suis dit, « Cette journée, je vais la vivre comme si c'était la dernière. » Je m'en rappelle, c'était un mardi. Je me suis levé, j'ai déchiré mes copies doubles, j'ai dit merde à ma mère, j'ai volé la voiture de mon père, j'ai roulé à 200 à l'heure sur l'autoroute, j'ai fait un doigt d'honneur à un flic, j'ai dépensé tout l'oseille que j'avais de côté depuis mes 12 ans, et j'ai largué ma copine, et c'était trop cool, putain. Ah là là. Bon, le problème, ça a été mercredi, hein. C'est un tout petit exemple, etc. Mais une aisance incroyable, quand même, hein. Là, sur les images, vous avez quoi dit? Je m'éclate, quoi, je m'éclate. Alors, ce qui est fou, c'est qu'encore une fois... Tous les jeunes humoristes en France n'ont pas une série. Donc vous êtes l'auteur, coproducteur... Créateur, ouais. Ça s'appelle Soda. Ouais, exactement. On voit un petit extrait pour voir le ton. Portable de luxe à 400... Oh là là, je suis fatiguée, moi. T'es pas fatiguée, toi, Michel? Non, ça va. Remarque, ça ferait peut-être du bien d'aller me coucher un peu plus tôt, là, parce qu'avec les journées que j'ai en ce moment, moi... Ah ouais. Bonne nuit les chéris. Vous couchez pas trop tard les enfants. Putain comment ils sont chauds tes parents mon gars. Quand ils ont envie ça rigole pas quoi. C'est une blague là ou quoi la Slim là? Comment tu parles de mes parents là? Non mais me dis pas que t'as pas vu leur petit manège là. Oh Michel je suis tellement fatigué. Oh Michel, oh là là quel sommeil. Ça m'étonnerait pas d'entendre le parquet grincer dans quelques secondes. Wow. Mais t'es fou quoi là? Vas-y dégage de chez moi là. Comment tu parles de mes parents, espèce de sale pervers va. Vas-y dégage là. Malade va. Devant des enfants, elle a 7 ans ma sœur. T'oses dire des trucs comme ça? Eh bonne soirée en famille. Ouais c'est ça ouais. On monte le son? À fond, à fond. C'est lui. Ça c'est une réplique à fond, à fond. T'es toujours à fond, à fond. Ouais, à fond, à fond. Truc incroyable, parce qu'on parle des symboles, donc on a beaucoup parlé de Gad Elmaleh, votre idole, celui que vous allez voir comme ça, sans avoir peur d'être ridicule, parce qu'à un moment donné, comme dit votre grand-père, j'adore cette phrase, « Si tu y crois, tout le monde va y croire ». Et puis une vidéo, comme ça, filmée avec un téléphone, où on voit son idole qui parle de lui, regardez. Salut à tous, voilà, Kev Adams m'a donné ce t-shirt, et comme il l'a fait avec tous les humoristes, il leur a demandé de dire qu'il le portait, que c'était bien, et que, bon... Ce que vous voyez pas, c'est que derrière, il y a beaucoup de gens qui sont très musclés, qui me forcent, et je fais... Non, en gros, voilà, très sincèrement, je trouve pas ce t-shirt vraiment bien, je trouve pas cette vanne très drôle, mais il faut aider les jeunes artistes, et même quand ils sont pas très inspirés, donc voilà, ce t-shirt, je le mettrai jamais. Et tout rire. Donc c'est énorme. Là, vous êtes là. Et c'est dans le cadre de quoi? C'est quand vous faites la première partie de... Quand je fasse la première partie. Ouais. Ah non, mais c'était magique. Magique. Je peux pas expliquer ça. J'avais tous mes potes qui étaient à une terrasse de café. Et je suis arrivé et j'ai dit, les amis, on va fêter quelque chose. Et ils m'ont dit, ah ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va fêter et tout? J'ai dit, ça y est. Et j'avais un pote à moi qui a tout de suite compris, qui me dit, non, tu le fais? Tu fais la première partie de Gad? Ça y est. C'est quoi votre prochain rêve? Que ça reste comme ça. Que ça reste comme ça. Parce qu'on le sait tous, et c'est pas un scoop pour personne, il y a des gens qui ont eu la chance de vivre ça, et pour qui ça s'est arrêté après. Et moi, j'ai un souci, et je crois que c'est certainement mon plus grand défaut, c'est que je pourrais pas vivre sans ce métier. Mais ne t'inquiète pas, ça va pas s'arrêter. On verra. On verra, on se retrouvera. J'espère que vous aurez toujours envie de me pécho, Daniel. Oui. C'est grave si je vais faire pipi. Mais non. Oh, ça va être bon, je pense à vous. Hein. Elle est incroyable, cette femme. Incroyable. Incroyable. À la pêche, hein. Ah ouais. Et bienveillante, ouais. Heureuse pour le succès des autres, pas du tout aigrie, très heureuse. Elle a eu une vie extrêmement remplie, formidable. Bien sûr, mais tu peux, tu sais, il y a des gens qui arrivent parfois en fin de carrière, en fin de trucs, qui sont... Ouais, c'est bien, les jeunes. Mais vous n'avez pas vécu le quart de ce qu'on a vécu. Moi, j'ai 21 ans, je pourrais être son petit-fils. Elle me regarde avec des yeux de... Ça me fascine ce que tu as vécu. Pour moi, c'est mieux que si elle m'avait dit merci. C'est exceptionnel de me regarder comme ça. C'est exceptionnel. Et toi, Franck, je t'aime, toi. Non, mais la question, c'est comment devient Franck Provost, encore une fois, qui coupe les cheveux d'1 Français sur 10. C'est dingue. Énorme. Vous avez dit tout à l'heure, on passe du premier au deuxième salon. C'est très compliqué parce qu'on ne peut pas se dupliquer. Mais finalement, vous avez cette excellente idée, c'est d'impliquer vos collaborateurs. Ils ont 49% du chiffre. Vous arrivez à 20 salons. À quel moment le grand public commence à vous connaître? J'ai une amie qui est directrice de production et qui me dit, tiens, est-ce que tu peux... Ça t'intéresse de venir voir la télévision? C'était Sacrée Soirée à l'époque. Venir coiffer la fille qui est au téléphone avec Jean-Pierre Foucault. Oh, moi, je dis oui, pourquoi pas. J'étais curieux de découvrir l'univers de la télévision. On voit un petit extrait parce que Jean-Pierre Foucault dit votre prénom à l'antenne. Et moi, je me rappelle de vous à ce moment-là, en fait. Nous sommes reçus en Polynésie et vraiment nous sommes ravis d'être là-bas chaque mercredi soir ou chaque samedi par la pensée. Qu'est-ce qui vous a fait, Franck? Un palmier, là, Carole, oui, ce soir? Vous êtes jaloux? Oui, je suis jaloux. C'est-à-dire que le problème, Clément, c'est que déjà Carole est toute petite, vous l'avez remarqué, bien entendu. En plus, elle a un palmier, enfin bref. Mais moi, j'ai tout de suite compris que si on voulait qu'on parle de mes coiffures, il fallait que je fasse des trucs un peu extraordinaires. Et oui, vous auriez fait une coupe de cheveux. C'est pour ça que là, je le faisais un palmier, donc il était obligé de dire, tiens, que voilà, quand c'était... C'est malin, c'est-à-dire que vous êtes conscient de ça, vous êtes à la télévision, c'est en direct, il y a des millions de téléspectateurs, et vous dites, si je la coiffe, je fais une coupe de cheveux normale, ça passerait inaperçu. Il faut que j'ai une raison qui parle de la coiffure de... Votre notoriété monte en flèche, c'est de la communication. Ça a quelles conséquences dans votre vie, dans vos affaires? Alors bon, ça m'amène aussi à avoir des artistes qui viennent se faire coiffer dans les salons. Donc quand la secrétaire du bureau descendait le midi se faire coiffer, qu'elle se trouvait à côté de Romy Schneider ou à la Delon, c'est toujours formidable. Ça, c'est de la vraie communication. La vraie publicité. On dit souvent que les coiffeurs sont des psys. Parce que voilà, et vous devenez du coup un peu proche de Romy Schneider. Effectivement, elle venait le soir. Après, on allait dîner. J'ai vécu au moment où elle tournait La Banquière. Avant son drame. Avant son, drame, mais bon, j'ai aussi vécu ce moment-là. La mort de son fils. Absolument. Sa vie a effectivement un peu changé, quoi, basculé. Et bon. Et puis, tout à l'heure, j'ai dit, enfin, quand on s'est rencontrés, là, je vous ai dit, bon, voilà, parmi ses clientes, il y a Sharon Stone. Alors, à la rencontre avec Sharon Stone, c'est quoi? C'est au Festival de Cannes? Racontez-nous, racontez-nous. Donc, on participe au Festival de Cannes depuis déjà 15 ou 20 ans. Hein. Et un jour, donc ma fille qui s'occupe de ma presse, Olivia, me dit, tiens, j'ai mon copain, un copain américain qui fait une soirée dans une villa. Donc il m'invite, il t'invite aussi et tout. Moi, je parle pas très bien anglais. Et je dis quand même, bon, on y va. Et puis, on arrive à cette soirée, donc... C'était un dîner assis à l'extérieur. Et puis Olivia va voir son copain et puis il lui présente une femme à côté. Et c'était Sharon Stone. Et tout simplement, elle lui dit si elle avait un coiffeur pour le lendemain, pour la montée des marches. Je lui dis non, tout ça. Ah, j'ai mon père. Tac, tac. C'est dingue. Et je me dis, demain, je vais me retrouver devant elle. Comment je vais la coiffer? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de trucs qui passent. On ne dort pas de la nuit, j'imagine. On ne dort pas de la nuit, quoi. Et bon, ça s'est très bien passé. Vous êtes recroisés? Oui, bien sûr. Et depuis, quand elle vient à Paris ou à Cannes, eh bien, on se demande et on la coiffe. Elle vous demande. Ouais, ouais. Il ne dit pas, je rêve la modestie. Il ne dit pas, elle me demande, je la coiffe. Il dit, on la coiffe. Ça, en fait. Oui, parce que c'est bon, vrai que c'est aussi mon fils maintenant qui la coiffe de temps en temps. Et ma fille... Vous voyez sur la photo, votre fils? Oui, oui. Votre fils et votre fille à droite. Voilà, les deux. Oh, oui. Les deux, ils sont beaux. En fait, j'avoue que je ne réalise pas que vous êtes à la tête d'un empire qui porte votre nom. Numéro 1 en France, numéro 1 en Europe, donc c'est l'homme qui est en train de manger notre gratin, votre gratin. Oui. Et attendez, et deuxième... au niveau de... Mondial. D'accord. Donc, je voudrais comprendre, avant de savoir ce que ça vous fait, comment on s'y prend? Mais le mec, il t'a tout dit. T'as vu comment il est le deuxième coiffeur au monde. Et le mec, il te fait... Et deuxième mondial. D'ailleurs, pourquoi le deuxième? Mais pourquoi pas le premier? C'est qui le premier, d'ailleurs? Qui est le premier? Alors, le premier, ce sont des Américains qui... avec qui j'étais associé jusqu'à maintenant. Ah oui? Expliquez-nous, expliquez-nous, parce que moi je veux savoir... Franck, c'est le moment où tu dois te la péter dans l'émission, là. C'est le moment où vous la pétez. Comme Sharon Stone, il a mis avec Romy Schneider. Non, mais ce que je veux comprendre, c'est... Quel est votre moteur? C'est la question. Maintenant. Le moteur pour aller... Pour continuer. Pour continuer. Bah, il y a encore une place à gagner. Mais non, ça vous intéresse d'être premier au mondial? Bah, à un moment donné, moi mon moteur de ma vie, ça n'a pas été de me dire je fais un, deux ou trois salons pour gagner plus d'argent. Ça n'a jamais été mon moteur. Je vis simplement, normalement. Manger 3 fois par jour, c'est ça? Voilà, quoi. Ça m'a jamais... Mais j'ai toujours eu la passion de monter une belle entreprise, de faire quelque chose qui m'intéresse, dont je sois fier. Que mes parents auraient été fiers de voir. Ils ont connu quoi comme réussite? Le début. Le début de mon père. Et c'est vrai qu'on parlait ce matin de ça. Et mon père était assez pudique, mais je sais qu'il m'aimait bien, beaucoup. Pas plus que bien, beaucoup. C'est parce que même vous, vous êtes pudique, il n'ose pas dire il m'aimait, il fait il m'aimait bien. Je t'aime bien. Il m'aimait beaucoup. Et qu'il n'a jamais osé me le dire. Et... il y a quelque chose que j'ai envie de vous dire que je n'ai jamais dit, même à mes plus proches. Mon père devait être opéré des coronaires. Et je suis allé le voir, et j'étais le dernier à aller le voir à l'hôpital. Et quand tout le monde est sorti, je suis retourné. Et là, je l'ai embrassé. On s'est dit, on s'est aimé. Et puis ça a été la fin. Il s'était fait opérer le lendemain, jamais revu. Et c'est une image, pour moi, incroyable. Alors nous, on a le droit de te dire qu'on t'aime? Bien sûr. Oui, il faut le dire, c'est vrai. Après, on regrette de ne pas avoir dit assez tôt. Dis-moi que tu m'aimes. Chut, d'accord. Je t'aime, Danièle. Ah, voilà, quoi, c'est... Oh, bah, je t'aime, Franck. Ben oui, oui, moi je t'adore. Ça va, Kev? Ouais, ça va. Il est génial, ce moment, sans déconner. Ce matin, je suis arrivé ici, sur cette même rivière, en disant « Danièle, bonjour, je m'appelle Kev ». Elle me disait « Vous êtes Kev ?» Kev. Et là, j'ai l'impression que je suis avec des potes que je connais depuis toujours, quoi, tu vois. C'est fou, hein? Non seulement je n'entendais rien, mais je ne voyais rien. Et là, vous êtes tous éclairés, grâce à ce brasero. Et le guitariste, j'ai l'impression que vous connaissez, vous avez répété quoi bien une chanson, c'est ça? La javanaise. Ah, quel chef-d'œuvre. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Vous déplaise en dansant la javanaise. Javanaise. Le temps d'une chanson. Yeah. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Yeah! Génial! Enfin, génial. C'était génial de la chanter. Oui. I wait for something under a street light. It won't be long because it's dark. Mais c'est pas de séparation. Non, non, justement, je... Et des pizzas. Et là, il faut que... Voilà, il faut que... Mais tu veux me piquer ma meuf, Franck, ou quoi, là? Comment ça se passe? Mais regarde, c'est lui qui m'a pas fait ce matin. Ça va bien, les copains? Hello. Ça va? Je vois au petit-déj tous les deux, comment ça va? Bah oui, parce que nous étions les premiers. Bonjour, mon amour, chérie. Comment ça va? Bonjour, mes amours, mes trois hommes. Alors, salopard? Oui. C'est spécial comme vu, on rentre dans la pièce, on voit un bouquet de fleurs, vous êtes en tête à tête, il est en train de vous coiffer. En fait, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Non, ce matin, je l'ai croisé. C'est votre coiffeur ce matin. C'est mon coiffeur ce matin. Préparer le petit-déj, et puis voilà, on discute. Je l'ai croisé à la sortie de la salle de bain. Incroyable. Et je lui dis, Franck, tu peux me coiffer, s'il te plaît? Oh, comment se la pète? Oui. Et il m'a dit oui. Provost dans les couloirs. Et je me suis même pas regardée dans la glace, je lui ai fait une confiance. C'est vrai? C'est un petit raccord. C'est un petit raccord. Mais j'avais pas de travail, regarde. Ce matin, vous êtes heureux d'avoir fait une petite coiffure de Danièle Evenou, mais chaque année, il y a 30 millions de personnes dans le monde qui se font coiffer chez Franck Provost. Non mais, il s'en remet pas. Non mais parce que là, il y a un truc très simple, mais ça vous fait quoi? Ben, je vais vous faire une confidence. Je trouve que c'est un métier extraordinaire. Parce que quand on vient se faire coiffer, on vient donc... on confie sa tête, on se confie, et c'est pour être mieux, pour ressortir donc plus heureux, quoi. Donc on donne que du plaisir. Pour se faire beau. Voilà. Tu vois, et c'est pour ça que le rapport, toujours entre son client et le coiffeur, il y a quelque chose qui se passe, qui n'existe dans aucun autre métier. Ben alors, attendez, les gens qui font rire, parce que là, on a quand même des gens qui font rire. Oui. Là, vous entendez, oui, mais... vous entendez le bonheur des gens. Qui dit qu'il donne du bonheur aux gens, alors qui dit mieux? Vous avez le sentiment de donner du bonheur? T'as gagné, Franck, t'as gagné. Non, 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 mais... Nous, c'est un peu plus durable, c'est instantané, mais enfin, quoi qu'on y repense après, oui, c'est pas vrai. Vrai que... Vous avez... Nous, il y a une transformation physique. Vous servez à quoi, Kev Adams? C'est vrai. Quel est le sens de votre vie? Elle est horrible, cette question, vous savez. Non, non, mais vous avez le sentiment que ça apporte quoi, votre métier? J'aime donner du bonheur aux gens, mais il y a un truc aussi très égoïste dans la scène. Quand tu montes sur scène, t'as envie que tout le monde soit heureux en sortant, mais en même temps, t'as envie que le plus heureux à la fin, quand même, ça soit toi, parce que t'es venu et que c'est une célébration avec tous ces gens, donc c'est génial, quoi. Donc, donner du bonheur aux autres, c'est une obsession chez vous? Oui, une obsession, c'est les rendre heureux, ça, oui. On peut venir à 18 à l'improviste? Oui, mais venez, je vous ferai un gratin le vinois. Une fois qu'il est commencé, le gratin, voilà. Ah, j'adore, j'adore. La prochaine fête, le prochain week-end, on le fait à la maison. Ah, le prochain week-end, on le fait à la maison. Moi je suis partant en plus pour le gratin, hein, parce que réellement... Mais ça me fait marrer quand même de vous voir en train de vous inviter, tout ça. Parce que je vous rappelle qu'il y a 24 heures, vous ne connaissiez pas. Non. Non, pas du tout même. C'est-à-dire? On se rappelle. De loin, sans lunettes, je croyais que c'était Jean-Luc Moreau. Et lui, je te voyais, t'étais assis. Je me dis, il est bah oui, quand t'es assis, on voit, oui, il est bizarre. Il est bizarre, il est assis. Ça veut dire quoi? Mais je le trouvais petit. Bah oui, il était assis. Non, vous saviez pas qui était, Kev Adams. Mais non, mais en plus, je ne savais pas qui était. Et maintenant, j'ai l'impression que vous savez qui il est, mais plus que n'importe qui. Ah bah oui. Mais je pourrais même raconter un peu sa vie. En plus, maintenant, c'est une vraie découverte. Et je vais aller dans un zénith, parce que il paraît qu'il y a plusieurs zéniths en France. J'ai appris, moi je pensais qu'il y avait un zénith. Comme on dit l'Olympia, il y a un Olympia. Dans toutes les grandes villes. Ouais. Mais j'ai hâte d'aller voir son prochain spectacle. On ira ensemble, hein. En février, c'est ça? J'espère que vous allez venir. Janvier, février. Le prochain spectacle, il sera en décembre 2013 au Bataclan, à Paris. Ça, c'est le numéro 2, donc? C'est le numéro 2, qui s'appelle Voilà, voilà, dans lequel je parle... C'est beaucoup plus personnel que le premier spectacle. Et ton spectacle, tu l'écris alors que tes parents ont divorcé? Mes parents ont divorcé, ouais. Non, mais le divorce, la séparation de tes parents, a été un choc pour toi. Mais bien tu sûr. Pensais que c'était inévitable. Ça a été un choc, je crois que ça a été un choc. C'était là, il n'y a pas très longtemps, donc j'étais déjà, j'ai envie de dire, âgé, donc plutôt grand, j'habitais déjà tout seul. Donc ça a été un choc, oui, mais ça a été surtout un choc sur le regard que j'en ai eu, qui était assez extérieur, comme je ne vivais pas avec eux. Je parlais beaucoup avec l'un, je parlais beaucoup avec l'autre, je parlais beaucoup avec mon frère. Et en fait, ça m'a inspiré terriblement. Je me suis rendu compte, en parlant avec des amis à moi, que c'est des situations qui, aujourd'hui, touchent plein de familles en France. Ça, le divorce, la séparation, etc. Et qu'il y a deux manières de le voir. Soit tu le dramatises et tu dis c'est une catastrophe. 2 divorces sur 3, vous vous rendez compte, on est dans la merde. Soit t'en ris. Et j'ai vraiment fait ce choix-là dans le prochain spectacle. C'est-à-dire que je tourne ma famille et ma peine en dérision. Par exemple, dans le nouveau spectacle, je dis quelque chose qui est vrai. Je dis, attention, je dramatise beaucoup sur le divorce, mais il y a des gens chez qui ça se passe très bien. J'ai un ami à moi, je lui ai dit « Et toi, ça va alors ?» Il m'a dit « Ah non, non, moi, mes parents, ils ont divorcé, mais franchement, ça se passe super bien. Je veux dire, ils ont continué à habiter ensemble pour pas nous déstabiliser. Souvent, on part encore ensemble, tous ensemble, avec mon père et ma mère pour pas nous déstabiliser. Souvent, mon père, il dîne avec sa nouvelle meuf, ma mère avec son nouveau mec, mais tous ensemble à la maison pour pas nous déstabiliser. Il leur arrive d'ailleurs souvent de s'embrasser aussi pour nous faire croire qu'il y a encore de l'amour pour pas nous déstabiliser. » Et moi, je lui ai dit « Ah ouais, et comment tu te sens ?»« Bah, je me sens un peu déstabilisé. » Et vous, Franck, vous repartez conquérir le monde, il reste quoi à conquérir? Oh, ben, il y a encore énormément de choses pour moi. Hein. Franck Provost, où est-ce qu'il n'y a pas d'enseigne encore? Il y a encore des pays où on n'est pas présent, et puis il y a des pays où on n'est pas suffisamment présent avec un ou deux salons. Là, par exemple, je vais faire une tournée en Asie, parce que j'ai aussi des salons en Asie. C'est vrai? Où ça? En Asie? Aux Philippines, en Corée, au Japon, en Chine. Donc... On dirait Mick Jagger, j'ai tourné en Asie. Génial, n'empêche de dire ça. Mais ouais, parce que... J'imagine qu'il y en a, il y a des gens en Asie qui font « Ah, Mandé, Franck Provost Je vais me faire coiffer chez Franck. Franck Provost Et oui, finalement, il n'y a pas une minute où finalement où il n'y a pas quelqu'un qui se fait coiffer dans un de nos salons. Franck, je suis obligé de vous poser la question parce que j'arrête pas de dire 30 millions de personnes par an se font couper les cheveux par lui. C'est les chiffres qui m'impressionnent, j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Donc on vous imagine milliardaire. Non, je suis... Oh non, faut pas exagérer. Non, mais c'est virtuel. C'est dommage. C'est-à-dire, moi, tout ce que je gagne, j'ai toujours réinvesti. J'ai toujours joué. C'est ce qu'il disait, ouais. C'est ça? Oui, bah, j'ai toujours joué, moi, j'ai jamais... Au tout début, il disait, j'ai pas fini, il faut qu'on aille encore dans plein d'autres endroits. Donc sinon tu t'arrêtes dès le deuxième salon, parce que t'as peur de perdre le premier. Et moi, la force, avec mon métier, j'ai toujours pensé que... Tout pouvait m'arriver, je pouvais prendre mon peigne et mes ciseaux, partir au bout du monde, et que finalement je referais l'histoire. Parce que me faut deux outils, un peigne, un ciseau. C'est ça le secret. Et mon métier. Et tu sais quoi, moi si tu veux, je peux te proposer, je peux vous proposer, si vous voulez venir faire un petit clin d'œil dans ma série Soda, vous êtes les bienvenus. Ah ben moi je dis oui. Tu dis oui. Bah oui, tu me coifferas. Voilà. Génial. Bam. D'accord. Par contre, après, tu nous l'exportes un peu partout dans le monde. Attention. Pas de problème. Bon, et vous donnez l'impression de dire ce qui vous passe par la tête, mais je pense que vous êtes assez sûr de vos effets. Enfin, on sent le talent de la narration et tout, et on a envie de vous voir sur scène. D'accord? Donc, où est-ce qu'on peut vous voir sur scène? Eh bien, bientôt à Lyon. Ouais. Je vais jouer Le Don d'Adèle, de Barry et Grédy. C'est l'histoire d'une femme qui engage une bonne à tout faire, comme on disait à l'époque, et cette bonne à tout faire voit tout. Elle devine. C'est vous la bonne à tout faire? Non. Vous êtes la femme qui engage. Je suis la patronne, pour une fois. Pour une fois. Pour une fois. Et c'est à partir de quand? À partir du 20 mars. À Lyon, magnifique. C'est pas très loin, tu sais, 2 heures de TGV. Mais je viendrai. Bien sûr que je viendrai. Je te kiffe grave. On va se pécho grave. Je te kiffe grave. Mais moi, je rêve de vous voir sur scène avec... Et comme on arrive là, je suis impatient d'être dans une salle et d'entendre tous les gens rire en même temps. Je crois que je vais le recommencer. Je l'avais fait un spectacle. Et en plus, c'est vrai, ça plaît. Et là, je pense que je suis en train d'écrire un livre très court. La façon dont j'ai emmené mon mari du Père-Lachaise, dans son urne, jusqu'à ma maison de Beaulieu. Parce que j'ai eu peur de le perdre en route. C'est-à-dire? Bah, qu'on pique le sac. J'avais mis mon sac dans mon mari dans un sac, oui, dans son urne. Et comme j'avais, mais oui, mais comme j'ai toujours l'habitude d'oublier un sac, quelque chose, je me dis, il faut pas que je perde mon mari partout. J'ai pris mon mari comme ça, je le posais, oh, bon, si on... et je parlais à Georges. Je dis, Georges, t'inquiète pas, je vais pas t'oublier. Alors pour pas l'oublier, j'avais mis dans le sac avec l'urne, j'avais mis mon passeport, mes lunettes, et de temps en temps, je dis, ne t'inquiète pas, Georges, c'est horrible, mais c'est vrai. Je suis en train d'écrire cette histoire, et je pense que peut-être, puis ça me fait du bien. Je vais pas, il est là. En tout cas, vous avez beaucoup parlé de lui. Oui, mais... oui, parce que... il existe, parce que oui, il existe, et puis... c'était quelqu'un qui ne me jugeait pas, il m'aimait... voilà, pour ce que j'étais. Il n'avait jamais honte de vous? Non, ou de votre facétie. Et Mitterrand nous regardait quelquefois... Allez, je vous dis quelque chose. Un jour, à l'Élysée, Georges aimait bien les mouchoirs en tissu. Il part un matin de la maison, je dormais sûrement, il ne trouve pas les mouchoirs, il prend quelque chose d'autre, il met dans sa pochette. À l'Élysée, il y a, je sais pas. Et d'un seul coup, oui, il y avait une réception. On est là, on discute, je l'avais retrouvé le soir, je ne sais plus. Et il a chaud, il ne trouve pas de mouchoir. Il sort sa pochette, c'était ma culotte. Et là, Mitterrand nous a regardés tous les deux en disant, ils doivent bien s'éclater. C'est beau comme histoire. Et mon mari est parti avec ma culotte. C'est vrai? Oui. Lorsque le type du croque-mort a dit, bon, il faut aller habiller mon mari, même s'il n'était pas là, il faut toujours mettre les vêtements, etc. Et au moment de la pochette, mes deux enfants, non, sont mes enfants qui ont dit, non, maman, pas de pochette. Ah bon, quoi? Ta culotte. La tête du croque-mort qui va me chercher ma culotte. Il y avait les enfants de Georges qui étaient là. Et Jean-Baptiste dit, croque-mort, monsieur, vous mettez bien la culotte de ma mère, hein? Alors que mon mari allait se faire sidérer. Le croque-mort a obéi et mon mari est parti avec ma petite culotte. Mais si vous deviez me donner un conseil, parce que du coup, ce que la vie vous a transmis, d'accord? Et là, vous nous avez parlé de l'amour comme personne. C'est-à-dire, finalement, le 28 ans avec la même personne où on rit, où on s'aime. Donc, le secret, c'est s'aimer sans se juger, c'est ça? Ah oui. Il faut pas juger l'autre. Il faut surtout pas. Il faut se plaire, se désirer. Et dire à l'autre, sans le dire, et qu'on l'aime. Et puis surtout, lorsque vous partez loin de cette personne, si on se rend compte qu'on s'ennuie, c'est le bonheur. Si on est malheureux sans la personne, mais c'est un rêve, vous n'avez qu'une envie, c'est de rentrer à la maison. À l'improviste. Et de voir qu'il est fidèle. Ou qu'elle est fidèle. On débarrasse la table. Ouais. Ah, allez. Moi, je garde la corbeille de croissant. Sur le piano, il y a une photo et j'aimerais bien une petite dédicace. Ah. Une photo de nous? Ah! C'est bon, ça? Ah, oui! On l'a fait ce matin. C'est ça. Oh là là. Oh, mais c'est... Oh, moi, je la veux. On a le droit de partir avec? Non, il en faudrait 4. Pas celle-là, mais on va vous en faire une. Moi, je suis gros, hein. Et moi, je suis bien coiffée. Et toi? Moi, je suis vivant. T'es vivant, bah, tiens. Ben, faut qu'on écrive là-dessus? Oui. J'étais venu chercher l'argent que Fred me devait. Finalement, j'ai trouvé des amis. Merci, je vous kiffe. Yeah. Merci. À toi, Danièle. Voilà, j'ai écrit cette phrase de Beaumarchais. Je m'empresse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. C'est beau. Voilà. Et merci. Mais du coup, Danièle, t'as signé Beaumarchais. Oui, je sais, je sais. Je sais. Franck, tu regardes le cadre et tu te dis, c'est un bon concept, ça, pour mes salons, de mettre des petits cadres où on peut écrire des mots comme ça. Ou de mettre des photos. On peut mettre aussi que des petits mots. Une parenthèse de complicité entre rire et émotion, une expérience humaine formidable. Merci à Fred et son équipe de leur bienveillance et gentillesse. Merci. Bravo, alors ça, c'est grandiose. Voilà. Bon, mais c'est beau, ça, merci, merci. Bah voilà. T'as dit c'est beau, ça, t'as dit ça y est, c'est terminé, là? Là, c'est terminé. On s'en va, là? Y'a pas un atelier piscine, peinture, sculpture, quelque chose? Si, si. Quel bon week-end! Alors là... Ouais, c'est génial. Génial. Talk to me. Bon. Moi, je suis un peu triste de quitter cette... En plus, on a un petit rayon de soleil et tout. C'est vrai que je suis arrivé ici... Ah bah vraiment, je savais pas trop d'abord parce que ouais. On se connaissait pas, je connaissais pas Danièle, je connaissais personne. Puis finalement, là maintenant, je resterai bien quelques jours de plus. Ah. C'est plutôt sympa, on est bien là. C'est vrai, on a l'impression que nous sommes là depuis très longtemps. Ouais. Et ça fait 24 heures. On se sent vite chez soi ici. C'est vrai, on se sent vite chez soi, c'est un beau compliment ça. Ouais, c'est vrai. Bon, ben vous revenez quand vous voulez alors. D'accord? D'accord. Vraiment? Je fais quel plat? Le gratin de François Mitterrand. Non, merci Danièle. Merci Frédéric. Merci pour la lumière. Merci. Qui va conduire la barque? Je ne sais pas. C'est entre vous, ça. Écoute, je crois que je suis encore désigné pour conduire la barque. J'en suis capable. Bon, en tout cas, chef du bateau, Franck. En tout cas, je... Frédéric, merci. Attendez, vous êtes... Je suis vraiment... très heureux. J'ai passé un week-end super. Ben, nous aussi. Et réellement, si je passe par là, je m'arrêterai. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Bon, attends, je monte devant. Hein. Kev. Salut mon Fred, merci beaucoup. Je me suis éclaté et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui pouvaient avoir l'âge de mes parents avec qui je pouvais m'éclater quand même. Quoi. Et ça, c'est cool. Eh, lui, la phrase qui tue à chaque fois. Non, je serais très fière d'être sa maman. D'ailleurs, je veux la connaître, ma future belle-mère. Bah, bien sûr. Bah, tu vas la connaître, Danièle. Ma future belle-mère. Allez, grimpouille la fripouille. Oh, c'est joli. Allez. Tu montes derrière? Ouais, je vais à l'arrière. Pas par terre non plus. C'est bon, on est bon? Allez, c'est parti. J'y vais, je rame. Tu peux y aller, Franck. Rame doucement. Ça, par contre, il n'y a pas de problème. Au revoir. Au revoir. Regardez ce petit ponton là, on va se souvenir. Vous vous souvenez d'hier? Oh, regarde-le. Du crâne là, il reste sur rocking chair. Vénard. Et nous reviendrons. Revenez quand vous voulez. Eh Franck, t'as pas une carte ou un truc pour avoir des coupes gratos à vie ou... Arrête. Arrête, on vient de passer un week-end ensemble. Ouais, salut, je m'appelle Fred Lopez. Bienvenue dans cette parenthèse inattendue. Un week-end rempli de tendresse, parce que je crois qu'il n'y a que des gens, mais vraiment très gentils. J'ai mis un gilet orange pour vous montrer que dans la vie, même avec un gilet orange, on peut réussir. Ouais. C'est incroyable, quand même. Frédéric, c'est incroyable. Il m'a fait chanter. Moi, qui n'ose jamais chanter, je chante faux d'abord. J'ai gagné aussi une coupe gratos à vie chez Franck Provost. Et je peux vous dire que dans mon cas, c'est un avantage.